et nous mettre à la hauteur de l'événement et à la hauteur de cette équipe chinoise qui est quand même une équipe pas facile à manœuvrer. Donc nous saluons bien sûr en directeur section Jean Gary qui est là avec nous, sans oublier Smith Griffon, Joël Novius et tous les autres, et Steven, sans oublier Dominique. Il y a une ambiance très spéciale du côté de la télévision nationale d'Haïti. Nous avons que nous font décortiquer avant le coup d'envoi cette sélection haïtienne, Jérôme. Son équipe qui gon mélange de moins de 17 ans et moins de 20 ans, et mesdames qui t'allez dans moins de 17 ans, yo gen pile là de retenir pour moins de 20 ans ça. Je pense que avec talent que nous gagnons, hein, alors bonne nouvelle c'est que Kelly Théus a démarré. C'était incertain, mais bonne nouvelle. Maintenant, elle a commencé. Donc nous aussi c'était talent que nous gagnons. Talent ça yo, c'est des talents qui confirment déjà. Jean Sofonis Odilan, il était seulement pour nous investir dans ce sport, pour nous mettre moyens à disposition mesdames yo, pour que nous kembeyo nan ligne que yo et pour capable joindre yo nan coupe du monde senior. Même parce que mesdames ça on gen là, d'ailleurs nous gagnons Nerila Mondesi cap joindre au niveau qui capable porter en plus à mon sélection ça notamment en France. Donc je pense que vraiment nous capable faire un gros match par rapport à équipe que nous gagnons là. Et l'autre semble mettre accent sur lui, c'est ça me dit tout à l'heure, mental là. Oui, mental là. Mental là pour gagner. Des contractions, ça pour gagner tout en restant concentré. Par exemple, sous match Brésil contre le Mexique. Mm-hmm. Brésil mal entamé match, le Mexique a mené 1-0. Match a fini 2-1 à la mi-temps pour le Brésil. Et bien, gros discours passé dans le vestiaire qui remontait moral joueuse mexicaine en seconde période. C'est une toute autre équipe mexicaine qui vraiment kembe. Équipe brésilienne en c'est échec. Ton match en c'est ton autre match. On dirait que nous t'ai fait commenter là. Son équipe mexicaine qui a démarré première mi-temps et son l'autre qui démarre deuxième mi-temps. Ça c'est mental. Ça c'est motivation. Ça c'est détermination. Ça c'est ce qui compte qui sauve les. C'est qualité ça, ouais. Yo, c'est vertu ça. Yo. Alors on déposons... supposé gagner pour être capable de faire un très bon résultat face à la Chine. Alors on te pose une question à Sophonie. Mm-hmm. Et ça veut dire le fait que nous sommes dans stade là, je voulais accompagner Sophonie pour me dire que eh bien son question de esprit d'appartenance, son, mm-hmm. son question de le sang appelle le sang. Yes. Donc quelque chose à côté et sous la terre, dès que autant de ces haïtiens qui n'ont compétition, eh bien carrément dit ça c'est race. Gardons passion, gardons ferveur, ouais. Gardons communion. Il n'y a pas cherché longtemps. Tout. Attends, Sophonie, ouais. On communion qui gagne avec la sélection nationale. Là. Donc, lorsque Haïtiens voulaient mettre tête ensemble, nous sommes capables de faire un pile belle bagaille. Mm-hmm. Et nous, tu peux y aller. Nous avons dit son bagaille, nous avons cherché longtemps. En pile fois, nous avons jaune et vert là, nous avons bleu, blanc. C'est Argentine, Brésil qui toujours a porté courant ça. Pour nous, aujourd'hui, à mettre bleu et rouge là, avec petit blanc là-dedans, qui c'est pas nous. Mm-hmm. Comme si ou senti sensation li beaucoup plus nous supporter l'Argentine Brésil 7 mais nous fait pour fanatique jodi a ou senti une implication intérieure nous fait pour bon côté pas nous n'a fait pour sang jodi voilà nous qui a vibré et jodi a pas de division sous sol là appartenance nous qui pratiquement au cœur nous tout dans même camp nous tout dans même camp bien sûr et c'est ça qui bon donc on a besoin de cette unité de cette union sacrée. Il faut dire bien sûr à nos amis téléspectateurs que le président de la République personnellement a tenu à envoyer un tweet d'encouragement aux grenadières. Le premier ministre Jean-Henri Séan, que nous félicitons bien sûr, que nous saluons, lui-même tout, il est à fond derrière la sélection nationale des moins de 20 ans, sans oublier la première dame Martine Moïse, qui dit grenadier, yo, lit avec yo, lit compte sur yo, et lit croit que, eh bien, il y a bien une possibilité pour faire la différence face à cette sélection chinoise de football. Attention, les Allemands sont en tête momentanément de ce groupe. Mon cher Jérôme. Oui, parce que Alma est battu très bon le matin, le Nigeria, un goal à 0. Et c'est Christina Sanders qui marque un goal ça. Donc 3 points plus 1 pour les Allemandes. En attendant, ils ont une belle prestation de la part des Haïtiennes. Pourquoi pas mettez tout en tête chinois pour ne pas prendre tête couplant pour montrer le monde entier. En dépit de tout ça, il y a dit, en dépit de toute image négative que souvent nous-mêmes encore nous projeter vers l'extérieur pour montrer que son pays le plus souvent nous-mêmes en tant que haïtiens nous livrer
nous livrer payant pays étranger pour étranger. Donc je pense que là son leçon que nous même en tant que haïtien a tiré là, leçon positive, le pourquoi là il n'est pas permis à tout le monde d'être présent dans voilà, sa nationale coupe du monde. Le moment magique, l'instant attendu. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous êtes sur la référence. Ici, nous faisons les choses autrement. L'entrée, bien sûr, du bicolore sur la pelouse du Stade Marville en Saint-Malo. Il y a bien sûr ma petite Dunia, ma fille, qui est en train d'assister à cette rencontre, ainsi que mes deux garçons, Ruth Verlier Rivaud, Yvner Rivaud, Douli et Yvner, qui sont en train d'assister à ce match. On leur fait un petit coucou. Drapeau national là, lila, le drapeau chinois également. Le décor qui est planté, dans quelques instants, ça va être les hymnes nationaux. N'a salué ministre Poatou. Démissionnaire, certes, mais ouais. ministre, la première dame, tous les deux actuellement en France. Ah oui, c'est important à signaler. Oui, tous les deux en France. Et c'est important pour nous dire, donc, aux côtés de l'équipe nationale, pour que, aux côtés tout appui, présentiel, cette chaleur et cette solidarité dont a si besoin, si grand besoin, si cruellement besoin, la sélection nationale, là, aimerait en revintant. Et maintenant, c'est l'entrée, mesdames, messieurs, des Chinoises. Où sont-elles? Elles sont restées derrière, mais il y a Vini quand même, la rebelle. Voilà, ce sont les Chinoises, là, cette petite fille et le corps arbitral. Et tu peux rappeler les noms des arbitres? Oui, il y a Edina Batista Alves. Alves. C'est une arbitre brésilienne. Bien sûr, et les autres? Et puis il y a Bakane Ouza, qui est une arbitre assistante brésilienne également. Et puis une équatorienne qui répond au nom de Amboya Monica. Et puis Uruguayenne. Et puis commissaire au terrain, et Om Pierez Claudia. Claudia. Uruguayenne. C'est ça. Alors mes amis, des quoi planter, Nadia est en fête, sans oublier Jasmine, Martine, toutes les filles de la télévision, toutes les filles, toutes les femmes d'Haïti, tous les Haïtiens, m'espérez que à bien on vibre. Bon, on va donc écouter les hymnes nationaux, nous allons jouer en bleu. Allez-y mesdames, on peut le faire et on va le faire. Très belle ambiance du côté du Stade Marville, Aro Saint-Malo. Nous saluons tous nos amis et commissaires dans CNMTC, Darikson Montes, et sans oublier bien sûr Kenzie Boussico. Ils sont tous salués, Etienne, Madame Pestan, ils sont branchés, la TNH, évidemment, le bicolore. Quelle est la composition de la sélection nationale d'Haïti, Jérôme? Dans les buts, Kelly Théus, et puis il y a Rosiane Jean, Daniel Darius, Emeline Charles, Rachel Carimus, Melchidaël Dumorné, Tabitha Joseph avec le numéro 6, Shelley Jeudi, et Cap Jeune Pointe avec numéro 9, Nérilia Mondésir, la star de cette équipe haïtienne, Roselyne Eloisin, Cap Jeune avec numéro 11, et puis Mikerline Saint-Félix qui a porté numéro 7 pour l'équipe haïtienne de moins de 20 ans. Et la dernière citée a le même prénom que ma nièce, Mikerline Rivaud. On voit ici bien sûr les haïtiennes qui posent pour la photo. Sophonie la rebelle n'a pas le faire. Oui, nous capables, nous gagnons, surtout que après la requête, nous avons fait beaucoup de FIFA pour permettre Melchi de renforcer l'équipe là qui s'est ballon dans nous dans la dernière compétition de jeu pour éliminatoire U17 là. Nous pensons que nous avons assez de monde. Nous avons joueuses dans la capacité ou dans la façon de jouer. Nous arrivons à comparer à Kramos. Ce n'est pas même comme si capacité physique ou bien même pays, mais des petits mouns n'a joué ou gagné. Là, on parlait de talent. Yes, Emeline Charles, Dosa Kapnou, qui gagne talent pour lui évoluer tant pour Amos. Là, je pense que Haïti gagne de quoi espérer. Est-ce que tu peux nous donner la composition? Oui, l'équipe de la Chine, Souyon, Do et Jiazin, Wang Lin, Shen Kiozu, Shen Mengiu, et puis Jin Kun, Zhou Yuji, Zi Kiwen, Zhang Linyan, Yang Qian, Zi Ji. Peter Bonde,
de nationalité danoise. Son exercice. Le coach, j'aime bien cet exercice. Mais tu n'es pas compris. Peter Bonde, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Oui. C'est un Danois et c'est lui qui dirige, qui coach cette sélection chinoise des moins de 20 ans. Premier adversaire des Grenadières dans cette Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. C'est la sélection nationale d'Haïti, Jérôme, qui donne le coup d'envoi de cette qui va donner Rudy, puisque l'arbitre est en train de... Voilà, c'est fait. C'est parti, Jérôme. C'est parti, équipe haïtienne qui en bleu contre la Chine en rouge. Ballon perdu, intervention de la défense haïtienne. La Chine gagne, anti-déviation. Ballon dans le couloir, on libère de conservation. La passe en retrait, contrôle manqué. Ballon pour l'équipe haïtienne. On passe en terrain de Tabitha Joseph. Attention, on joue en profondeur. En destination de Mikel Ilse Félix. Ballon donc pour Yu Yong. Yu Yong des ballons. Yu Yong libre, capable de faire rouler. La portière chinoise qui a maté ballon dans surface réparation pendant que nous avons gardé $2 l'avant-centre de l'équipe haïtienne de moins de 20 ans. Ou lance le pas de parfaite. On passe dans le cœur des Français qui chinoise là. Ballon balancé. On tentative, dommage. Ballon mal prend véritablement sophonie. Pour le tomber sous pont la 7 là. Donc le ça, nous t'as capable de faire mal à l'équipe chinoise là. Voilà, mais d'opier. Alors d'opier. Il apprend, mais il manque force par rapport à la distance que il tente là. Jusqu'à présent, son bon signe. Première action, Guétan, ouais, joueuse lance à l'envie, c'est fait. C'est ça, on tire de Roselyne et Loisin. Attention, la déviation, défense haïtienne de Gani. On tentative, ça passe largement à côté. C'est une remise en jeu. Pierre Litéus, on a le numéro 11 à l'écran de l'équipe chinoise. Roselyne. Alors, oui, c'est Ziki Wen. Chinoise. C'est pas nous. C'est pas nous liés. Qu'est-ce qu'on a aimé parler des paroles? Tout ballon de camp d'intérêt. Est-ce que quelqu'un faut non? On a mis la Dijon Boule. Format Kajo fait très haut, n'est-ce pas, Sophonie? Vous quittez trop espace pour vous à partir de mi-terrain. Nous connaissons le football moderne. Dès qu'on gagne un patin mi-terrain, ou si vous gagnez maintenant, mais là, nous bien démarré. On passe à droite. Le seul, nous mangez là. Ballon joué, Yu Yong, la gardienne de l'équipe chinoise. En tout cas, Sophonie, bon début. Bon début de bon match. Sophonie pour l'équipe haïtienne. Jusqu'à présent, un bon début. Ça n'a demandé calme, pas précipité pour nous prendre la Chine bien rapide. En dessous, Bataxa, au centre, qui allait dans le bras, goalkeeper équipe chinoise. Nous avons regardé Eloisin sous écran. Nous, Roselyne qui a une capacité pour évoluer, que ce soit à gauche ou bien à droite. Mais jusqu'à présent, toute action nous a sorti sous côté droite, équipe haïtienne. Nous prétendons pour nous, après minute d'observation, qui ça effectivement équipe la pral poté, comme passer ballon à terre. Jean a commencé à faire l'agir. Justement, quelqu'un de, parce qu'on fait dégagement, l'équipe chinoise, c'est une équipe expérimentée. Et 6 phases finales Coupe du Monde à moins de 20 ans. Ils ont fait finale 2 fois, n'est-ce pas, Woody? Ils ont fait finale en 2004. Ils ont fait finale en 2006. Donc, ils ont beaucoup jamais remporté compétition. Attaque à des Chinoises. La passe au zone de gauche. Fort Macage a fait début là. La couverture. Le dégagement de Kelly Théus. Ballon pour la Chine. Attention. Dégagement donc. Un 2. Et Rachel Caribus. Son ballon pour soutien touche. On a la gardienne. Tout le monde. Moun qui t'a allé dans le marché, moun qui t'a plumé du feu, yo, yo t'a allé comme si c'est ville, c'est moun qui a commencé à plumer du feu dans le marché. Notamment Fjord Achal que nous saluons. Justement, Sophonie, c'est moun qui a commencé à plumer dans le marché, qui a acheté épices, qui a acheté tout le bagage, qui ne peut pas manger un, et bien un plat, manger un prêt, l'autre Zimakola, qui ne font goûter la donne. Ballon Kelly Théus, qui joue dans la défense là, Daniel Darius, attention, ballon et pour Emile Chal, la relance, ballon.
dégagé. Mais c'est l'équipe chinoise qui gagne. Nous avons pressing. Trois joueurs haïtiens fait pressing. Il n'y a pas d'équipe chinoise en difficulté. Bien joué là. Ballon Rachel Karemus. Attention, les passants là. Côté joueur. Chez les jeudi. Est-ce que des fautes? Non. On dit c'est très lent. Pas des fautes. L'équipe chinoise qui avait été conçue. Petite déviation. Ballon perdu. Mais quelle présence. Quelle occupation de terrain. Moi, mes comportements de l'équipe haïtienne qui montrait que il n'y a pas plein de monde. Et qu'on s'appuie tout le temps. Attention. Ballon donc. Récupéré par le numéro 17. On a parlé de Zanglion. Zanglion perdu. Ballon récupéré par l'équipe haïtienne. Anonyme. À la gauche, là. À gauche, là. Attention. Ballon donc pour le numéro 13. Qu'avait c'est passé. Passe en retrait. Attention, Néria, mon désir. Mon désir, je n'ai axe là. Comme un chidèque, je m'en dis pas. Non. Ouvre la droite, ouvre la droite, ouvre la droite. Il joue là. Ballon donc dans le couloir. Attention. Belle passe. Mais c'est un coup de pied. Il faut qu'on joue tout espace là. Il conserve toujours. Il joue en haut. Maintenant, l'Open Jimmy. C'est pour nous pouvoir jouer. Pour l'équipe haïtienne, l'espace au joli. Malheureusement, passe là. Joueuse qui est supposée placer pour recevoir ballon. Il n'y a pas de guette à avancer. Il y a un bagage et n'a pas signalé qu'il y a. Le nous gagne ballon. Nous ne nous pas précipiter. Effectivement, nous avons qui ça pour nous faire avec. Et joueuse qui a un très bon placement. C'est ça. Entre temps, nous sommes bon tempo là. Dans le début match football, ça. Si nous capable de comme ça et que nous ne pouvons pas nous faire tout. Nous ne pouvons pas nous faire tout. Souvent, nous avons bien joué. Et pourtant, il y a trois vies de descendre. Nous avons des lambeaux dans la caille. Donc, nous pouvons. Kamakorel. Oui, t'as des réels. Kamakorel. Attention, ballon balancé. Et ballon contrôlé par l'équipe chinoise. La tente est sauvée. N'a pas justement de Jin Kun. Ballon l'équipe chinoise. Attention, la passe à gauche. Qui est arrivé sous lui? Qui est arrivé sous lui? Qui est arrivé sous lui? Est-ce que tu es en jeu? Oui, il y avait en jeu. Il y avait en jeu sur la joueuse chinoise. Et c'est un coup fort pour l'équipe haïtienne. Le jeune grenadier est en Coupe du Monde. Il y a moins de 20 ans. Voilà la représentation de l'action. Effectivement, il y avait un jeu 0-0. Toujours une entame de match intéressant pour nos jeunes grenadiers, n'est-ce pas, Soko? Oui, un bon match pour l'équipe haïtienne. Il y a un bagage m'a signalé pour les fanatiques. L'équipe s'en a gardé là, que ce soit en défense, mise en terrain ou en attaque. Nous avons des très bons doublures sous banc. C'est des gens qui ont talent, qui sont habitués à titulariser dans l'équipe là. Mais jusqu'à présent, les gens qui ont fait confiance là, ils n'ont pas de se voir. Oui, jusqu'à présent, prestation, nous sommes capables d'accepter. Nous, c'est un bon visage que l'équipe féminine Sabanou. Jusque là, attention. Il y a mon désir et pour essayer de tourner. Il y a également le numéro 9, Chelly Jeudi. Est-ce qu'il y a faute? Oui, il y a faute sur le numéro 18. Merci Gaël Dumonet. C'est tout ça, dame ça fait même. Tout ça le fait. C'est pas Ronaldo. Les gonfles façon de toucher ballon. Ou pas qu'à dire, excusez-moi, mesdames, ça me gâte. Ou pas qu'à dire son fils qui a manqué ballon. D'accord, ou est-ce comme si c'est même monsieur qui a gagné ballon? C'est son fils n'a pas. Très grande question. Évidemment. Technique. Attention, la relance de Daniel Darius. Ballon repoussé, contrôlé par Rosiane Jean. Rosiane Jean, attention, tentative lointaine. Ça passe largement à côté. C'était une tentative de Rachel. Alors, merci Daël Dumonet. Et la portière chinoise va pouvoir dégager son camp. Et le coach, le français Makola, il est debout. Parce que gagner une opportunité, des possibilités pour être capable de faire 3 points et bien démarrer la compétition. Pourquoi pas qualifier pour les quarts de finale. C'est une belle fête pour l'équipe haïtienne, pour le pays en général. Attention, ballon balancé, hésitation dans la défense chinoise. Là. On dégage Maki mieux. La passe en retrait, Néria Mondésir, Néria Mondésir, Néria Mondésir, Néria Mondésir. Il y a faute sur Néria Mondésir. Faute du numéro 10, Zao Yuji. Oui. C'est une amoune pour nous suivre dans l'équipe chinoise. Sam. Quoi, c'est plus bon joueur. Zao Yuji. Yes. Oui, faute sur la capitaine de l'équipe haïtienne. Un coup franc intéressant dans cette position. Nous avons Melchi qui est capable de mettre position, ça, ou bien signaler Sophonie. Melchi capable de mettre lui justement. C'est Melchi Daël Dumonet, plus connu sous le nom de Conventina. Est-ce que l'a tout mettre? Ou elle dit qu'il y a un guerrier, monsieur. Position Cristiano. Oui. Merci. Très belle attitude. Oui.
Vous sentez qu'il y a une détermination, une motivation. Bien sûr, une belle possibilité pour les Grenadiers. Vous virez le score. Légèrement au-dessus. Bien essayé, bien tenté. Oui, de la part de Emily Charles. Mais c'est au-dessus de la transversale. Notre Ramos à nous. Oui, oui. Ramos. Et oui, pas mal du tout, mais oui, un petit peu trop enlevé. Oui. Et le ballon, puis il entre trop en balle. C'est Melchidael Dumonet qui shootait lui. C'est Melchidael Dumonet qui était beauté coup franc pour l'équipe haïtienne. En tout cas, et moins mes comportements. Parce que là, c'est nous qui montrons que nous beaucoup plus entreprenants. Oui, la Chine n'a pas qu'à attaquer nous depuis au traversé. Puis, quoi action fait là, et Jésus a été en position au jeu. Nous, est sortis à demander à Jérôme, nous jouons ni ma cage la fête. Et puis, depuis le minute intérieur, nous battons pour nous récupérer le ballon. Justement, ça qu'il fait en pile pendant le début du match là. C'est très bien pour nous. Entre temps, pral de coup franc pour l'équipe haïtienne. Le score de départ qui persiste, n'est-ce pas, Rudy? Après, 0 pour Haïti, 0 pour la Chine. Écoutez, tout le pays est derrière les Grenadiers qui affrontent la Chine en ce matin du côté Henri Saint-Malo. Longue rançon pour une tête chinoise. Seul le Wang Linlin à la numéro 4. Barre au côté gauche, là où se trouve en principe, mesdames, messieurs, Ji, la numéro 21 chinoise, récupération au milieu de terrain avec Shenman Mengyo, dossard 8 qui change dans le côté en direction de Ji Kiwen. L'arbitre brésilien a choisi de laisser jouer après la récupération côté haïtien au milieu de terrain. La longueur transversale là, pour une tête chinoise. J'aime bien l'attitude des filles qui jouent crânement leur chance à droite. Il y a Rosiane Jean, la numéro 13, sans complexe, bien entrée dans le match. Cette sélection haïtienne la passant en avant, elle a cherché Nerilia, mais elle ne l'a pas trouvé. Attention, il y a danger pour les Grenadières. Mais le bon retour de notre latéral à gauche, en l'occurrence Rachel Carémus. Danger pour Haïti, mais très bonne intervention en requise pour cette passe en direction de Roselyne Héroissin au milieu de terrain de la sélection nationale. Ce sont les Chinoises qui se montrent les plus rapides sur en cette balle avec la passe en requise de Mengyu pour la numéro 5, Chenma Kyozu. Et bien sûr, Carémus qui a fait du bon boulot sous les regards attentifs en Romacola, le coach français de cette sélection nationale, tandis que les supporters haïtiens font la fête, ils sont à fond derrière à l'équipe nationale. D'où Zianzinga, Diasinga, Dossard 2, latéral droit de cette sélection chinoise. On voit ici Peter Bonde, le Danois. C'est un Danois qui était entraîné sélection nationale là en 77. On a parlé de Sepp, l'Allemand, pardon, Sepp Piontek qui allait entraîner par la suite le Danemark. Sik, accélération de Ziki Wenna, mais il est bien géré par notre latéral droit. En ça que nous pas de ma vie dit contre le coup du jeu. Oui. Voilà, Yuji et au son jeu, il dit ça là. Ouais. Donc, ouais. Surveillez, c'est plus bon joueuse, équipe ça. Pendant qu'on a bien géré le match là. Et puis, Yuji, Zao, Makoro. Je pense que c'est un problème placement. On a monté, on a défoncé, on a gardé. On a monté là, on a monté. Voilà. Carémus n'a pas fait marquage. Il n'a pas fait marquage là. Mais Carémus, quand même. Rachel en retard. Et arrière central tout en retard. Voilà. Et un bon mauvais placement. Carémus qui gagne une très bonne concurrence, souvent qui s'est rempli maturé. C'est Fibon et arrière gauche que Haïti gagne. Yo même sous nos Meltifiorda, c'est tellement joué bien. Là, je pense que Makola pour commencer à réfléchir. Il était joué tout éliminatoire là, oui, pour nous. Oui. Il était bien joué. Oui. Je dis assez contre toute attente. Nous essayons Carémus qui laisse maturé. Mal très, très mal. Ça qu'une pas soutenir. Et nous te fait commenter sur ça et vous dit. Que si on a bien joué, et puis lorsque il y a trois vidéos de scène qui fait, et puis nous prenons goal, et c'est sacrifié là. Maintenant qu'on y a là, ça peut faire. On a bien élaboré, on a bien joué, on a bien déposé, ouais. Et puis on contre-attaque meurtrière, fait que nous encaissons goal. Alors, on est capable toujours encaisser goal, c'est un match football. Maintenant, il faut moralou, à point.
pour pas affoler, pour pas comme si nous nous rentrer dans logique à courir des égalisations et pourquoi pas espace, pour quitter espace pour que chinois eux-mêmes nous exploitent. Parce qu'il faut nous rester là concentré. Écoutez, on peut toujours le faire, on va revenir, j'en suis convaincu. Ça me peur, c'est sous contre-attaque. Je me sens que par moments, on a certaines fébrilités. Oui, dans le placement. Dans le placement, dans le regroupement défensif. Voilà. Alors, ce que nous avons pressing très haut sur chinois, c'est bien pour nous capables de faire ça, mais regroupement. Il faut être capable de tourner. Attention, bonne tournée. Et très bonne intervention de Zhou Wanna, la portière chinoise, sous la menace Henri Roseline et Roissin, 2-11 de la sélection nationale d'Haïti. Les Grenadières qui sont menées ici à Saint-Malo par à cette équipe de Chine, qui est une équipe expérimentée, tu l'as dit, appliquée, solide. La passe à côté gauche, là où se trouve Ziki Wenna et 211 ans. Mais je rappelle que c'est Zaro Yuchi qui a marqué pour. Attention, la République populaire de Chine, c'est Zamdab Dinoa, ouais. Le flottement au sein de notre défense. Pour l'instant, Neridia est un petit peu effacé, perdu dans la défense en rouge. Le décalage en direction de la buteuse Zao qui a trouvé de l'autre côté. Attention à cette percée. Bon, gros faiblesse. Bon, gauche. Sélection nationale là. Oh là là. Là encore, c'était en possibilité. Rebelle. La Chine menait 2-0. T'es gagné. Grand pile problème. Ouais. En pile problème. Pensez bon problème communication grave en dans défense haïtienne. Sous tous les deux les lieux, placement yo pas vraiment bon. Nous, et attaque là, il sorti sous côté droite Chine, traversé sous côté gauche. Aïe, yo a flané, yo pas vraiment repositionné. La Makola qui gagne pour le montrer vraiment. Yo te mené pour dernière touche là. Faut le montrer nous aujourd'hui. Dernière touche là qui sale côté pour l'équipe. Alors, les filles ne doivent pas paniquer. Faut même si elles mènent sur les. Au contraire, les bons que Mito se cogne au grand goal là. Évidemment. C'est que n'en fait match là le point goal et puis peut-être nous n'en courons. Mais là, je pense que yo a capacité pour réagir. Notamment. Avec cette tentative magnifique, il y a faute magnifique. Le mouvement, bien sûr, de Michelin Saint-Félix qui a tenté le lob pour mettre dans le vent et son vis-à-vis direct n'a pas les de numéro 50 et en l'occurrence Chenna Tiuzu. C'est un très bon coup franc. Un coup franc bien placé, ouais. Pour les Grenadières. Et là, il y a donc une possibilité. On peut à ma chère Sophonie pour nous être capable de donner la matière. Oui, président fédération a annoncé que pendant la France, il a engagé un technicien pour travailler coup de pied arrêté avec haïtien, que ce soit touche, connaît, coup franc. Donc il te dit qu'il y a une pile amélioration qui fait déchets techniques, c'est presque disparaître comme ça. Quand il a noté un très bel coup franc, seulement il était un petit trop soulevé. À 1-0, c'est le moment ou jamais pour Corvinti a montré nous que talent sa ligue en le convertir pour faire nous célébrer. Et puis on va voir ça, mais il y a aussi la numéro 8. Et pardon, il s'agissait plutôt en deux. Et la numéro 17, Pierre-Lina qui est sur le ballon. Il y a une possibilité d'égalisation. Oh là là, pas de monde qui suit. Ouais, ouais. Nous manquons opportunité de Melchidael du Monet. Et Yamga Dongol. Corventina. Et Yamga Dongol Konsa Witzi dans le match France contre Ghana. Quatrième goal équipe de France. Là. On couvre qui tire et puis tu as gagné numéro 20 qui t'a fait monter avec goal dans le bouche. Impressionnante équipe de France, ouais. Qui s'est baladée face aux Black Stars du Ghana. Salut France Exantus. Oui, Jean-Marc une possibilité. Il n'y avait pas de hors-jeu. C'est donc une excellente opportunité. Là, on a gardé numéro 612, ni Joseph. C'était pas mal tiré du tout. Malheureusement, pour la sélection nationale, c'est la défenseur chinoise qui a eu le temps. La première, on parle de la numéro 4, Lin Lin Wang, de dégager en catastrophe pour
la Chine. Alors, le petit bémol que je suis capable de l'Empire du milieu. Alors, le petit bémol que je suis capable de mettre sous et coup français, c'est vrai que les précisions, les font bon choix, les manquent puissance. Il manque puissance. Si ballon t'as plus vite, d'accord, qui peut apprendre à bien arriver. Voilà. C'est vrai. Il faut que vous avez des plus punch. Oui, punch, non, choix que vous avez fait. Vous avez regardé le premier mouvement, il était faible, oui. Alors on descend, on fait une mode, oui. Oui. Donc la puissance, on en a besoin. Mais j'espère que, cher Lee, que Mboko ouais dans match en tout. Mboko ouais, Néria, mon désir. Néria, peut-être, et pas faute autre, non. C'est mi-temps terrain. C'est Corventina Adjidji qui peut porter manger. Absolument. Donc, c'est elle, la porteuse d'eau. Ouais. Il y a et Cherly jeudi au poste de latéral à la gauche. Il y a Rachel Lacaré qui n'est pas arrivé pour faire croisement. Yuchi Zaro, alors que Eloi Saint est bien entré dans le match. Ouais. Par contre, ouais. Si vous voyez ça, oui. Ça bouge, la travail dans le terrain. Si vous avez un seul bagage nous avons reproché Roselyne, c'est peut-être physique pour position là. Je vais alors faire des bois de moyens. Vous avez besoin de jambes, oui. Vous avez besoin d'une assurance dans le corps pour courir Jésus pour avancer. Mais après ça, c'est un joueur qui est très bon. Roselyne, les capacités physiques là, les personnes. Il rebelle. Nous devons nous rebeller face à cette équipe chinoise. Pas bien de dire ça, Zovoni. Oui, oui. Évidemment. 20 minutes, Zaro a marqué pour la Chine. Mais rien n'est encore dit dans ce match, Jérôme. Oui, il est très tôt. C'est la, première, oui, c'est la première période. L'équipe haïtienne est menée au score. Attention, attaque à des Chinoises. Doublement de passe. Et ce qu'il a fait, c'est croisement sous lit. 2 contre 1. Il n'y a pas faute. La mission qui a fait, c'est de continuer. Ballon pour l'équipe haïtienne. On a l'an, y a mené sous nous, on monte, parce que ça pas bon, quand on joue une mode, parce qu'on vient de faire là, attention, ballon donc récupéré par la Chine, on joue en retrait, et pour le numéro 5, et Chen, qui aussi, attention, ballon pour goalkeeper là, Sou Yang, qui fait le dégagement, ballon pour aller récupérer par l'équipe haïtienne, intervention donc de Rachel Karemus, il y avait hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant. Écoutez, il faut colmater les brèches dans le couloir. Gauche de la sélection nationale et lorsque Chinois joue un ballon, maintenant repli, regroupement défensif beaucoup plus rapidement. Et ma cola, ouais, que Rudy Mathurin est indiscutable dans le couloir. Ouais. Alors, ça que vous remarquez là, manquer une distance qui gagne entre porteuse de balle par rapport à l'autre partenaire liant de trop distance. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça vient faire que passion manquer précise. Attention quand même. Distance, ou vient pas une solution. Absolument. Ou vient perdre par contre ça pour faire ballon. Ça pour faire ballon. Il y a plus de chance pour perdre. Bien sûr. Entre temps, pas de relance qui parle fait par Souyon, la portière de l'équipe chinoise. Attention la relance. Notre cœur défense équipe haïtienne. En côté de Emile Charles. Ballon de terrain. Le contrôle. Bonne passe. Bon dribble. Bien joué. La passe contrée. Ligue Wobon. Et c'est Pio. Ah. Mon Dieu, c'est Pio. Il va s'en faire, non? Là encore, c'est précipitation. Oui, elle a précipité. Et... Parce que Mickey a limité tout, mais il a pas de loin. Oui, oui. C'est là où nous t'a demandé comme si pour une près l'autre là. Et là, nous sommes censés être trois joueurs. Nous ne pouvons pas vraiment de distance par ici, donc on 3-4 mètres. C'est distance. Entre temps, relance la fête. Ballon, un joueur de la tête. Déviation de Machidaël, Dumané. Intervention, dégagement de la défense haïtienne. Attention, remise de la tête. Et goal qui peut l'abri est arrivé. Et pour le jouer ballon, parce qu'il n'a pas pris la main. Puis ce sont passes en retrait de la tête. Il est capable de prendre la main pour être capable d'assurer relance là. On a Roselyne, alors Mickaëline, c'est Félix qui vient de disparaître. Oui, oui. Solide. En belle poids. Belle poids, oui. C'est un coup franc. Et pour l'équipe haïtienne, Roselyne et le roi s'est remonté. Karemus sur le ballon. Rachel de son prénom. L'équipe haïtienne, je vous le rappelle, est menée au score. La Chine 1, Haïti 0. Connaissez par Zao Yuti, qui était lui-même. Pral font coup de tête décroisé. Il y a faute, non?
L'arbitre n'a rien dit. Il laisse jouer. Attention, elle laisse jouer. Alors, puisqu'il s'agit d'une arbitre femme qui dirige la rencontre, il s'agit du football féminin. La passe en profondeur, mais ballon facile. Manquer cohésion, manquer comme si on a de coordination. Nous tournons, nous prenons ballon. C'est nous, voyons aller, nous pas construire. Surtout éviter de balancer de longs ballons aériens, sinon ce sera du pain béni pour la portière chinoise. Ça ne va pas faire l'affaire. Non. Haïtienne. C'est j'ai de commencer dans la première minute. Dans l'élaboration du plan et dans l'appel de ballon qui fait tout. Appel de ballon pas fait. Appel de ballon fait. Double mot de passe pas fait. Absolument. Donc voilà, nous manquer passer à l'aile tout. C'est ça. Nous manquer passer à l'aile. Et bon, grosse faiblesse, nous disons, dans gauche, dans surtout côté de la terre, là, pas qu'à monter. Justement, pas que j'aimerais le monter, arriver dans la zone 20 et 25 mètres. Et à moins que c'est chaque fois. Oui. C'est un choix tactique. Non, c'est surprise nous, puisque Whitney fait toute compétition avec Haïti, c'est Green joueur, je pas de jamais changer contre toute attente, je dis, nous, c'est étonnant. Attention, dégagement fait également Nilou de Nicolas. Nous faisons toute compétition nette. Yes. Attention, nous ne pouvons pas perdre Julie. La passe à gauche. Oui, Chinois en sauver. On passe en retrait. Et prochaine, Mendiou fait passer dans le couloir gauche là. Côté le joueur, Kiwen Feli. Attention, danger pour nous. Si mettez coup de gauche en mêlée, il va se faire. Regardez, pas de personne là. Heureusement, voilà. Normalement, c'est le deuxième goal. Là, évidemment. Encore une fois, même scénario. Oui. Une défense laxiste dégarnie. Et aucun manque à garder tous les trois défenseurs. Yo. C'est et central. Deux défenseurs centrales. Allez, sous joueurs, sous porteuse de balle là. Et puis, numéro 9, livré à lui-même. Jinkoun, donc, qui doit marquer. Heureusement, pour nous. Mais monsieur, pour grand oui. Vous voulez la grand oui. Boulevard. Grand oui. C'est une bicentenaire qu'il a. Malécon. Oh, c'est étonnant. Macola, il faut corriger ça. Il faut corriger. Et en urgence, donc, hein. Oui, attention, 2 contre 1. Elle arrive à conserver le ballon. Le ballon ne sort pas. Est-ce qu'il y a faute? Non. La bicentenaire n'a rien dit. Ballon pour la capitaine de l'équipe haïtienne. Néila Mondésir perd du lit. Yo compte sur un piloui, Néila Mondésir. Yo compte sur un piloui. Wam je n'ai grand la couille. Attention, faute sur les joueuses haïtiennes. Et oui, Charles a été bousculé par Jim Kuna, la numéro 9 de l'Empire du Milieu. Haïti a mené 0-1 par cette équipe chinoise, beaucoup plus calme dans son jeu, beaucoup plus direct également, alors que côté Grenadier, on a du mal à s'organiser comme ça a été le cas au tout début du match. La passe donc de Daniel Darius, on joue en profondeur, mais si Snap joue comme ça, nous baladons. C'est dans lancer ballon de zone. C'est comme ça, Snap joue, parce que il faut construire. C'est pas Mac Fabrique, non. Fog, et puis c'est pas justement. Et si Makola t'a fait choix? Si Makola t'a choisi pour un titan de la Chine vini, nous avons des gens qui ont contre-attaqué. Peut-être que si nous bien regroupés, nous avons pris un ballon, nous avons utilisé une autre stratégie sur la Chine. C'est jouet là pour opposer. En tout cas, contre des organisations pour le moment. Total en défense. Attention, ballon pour tout Dizing, passe latérale. Oui, voilà. Regardez des façons, monsieur. Regardez des façons. S'il s'entraîne mourir. Heureusement, ce plan mal travaillé, il fait trop en temps. Ça qui fait que. Si demain tu es traversé dans un petit carré, bon zone pour pénalité, tu es mouru. Entre temps, si demain tu es contre le monde, nous la donne, nous la faisons comme une dame, son ballon qui a fait demi-siècle. Là, là, bon coup à jouer. Attention, passe pour Néila Mondésir. Néila Mondésir, mais il a appuyé sous lui. Chinoise l'a bien joué. Elle a essayé de faire parler sa puissance athlétique. Malheureusement, elle a été devancée par le numéro 50 de cette équipe de Chine. Et de Chine, Chenna Kiaozu. Corner pour la sélection nationale. Vous songez hier qu'il était comparé et Néila Mondésir à Kéoline. Oui, même puissance, même aisance technique, même morphologie, même efficacité, même morphologie. Ouais. Mais pour le moment, il faut rentrer dans le match. Très timide en ce moment. Match très timide pour Néila Mondésir. Sur le ballon, Rachel Karemus qui va exécuter le corner. 1 pour la Chine, 0 pour Haïti. Attention. Et.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Nous connaissons la nouvelle république. Voilà, mais pour l'attaque tout à l'heure, c'est simplement qui est fait dans ce autre côté. Il est sur ces défenseurs nous attaquent les balles. Peut-être que c'est ça. Il n'est pas prêt. Et le temps pour jouer chinoise, l'en fait pour deux, l'en tout. Ballon Tijal qui était le tout petit, ça qui fait que il n'est pas vraiment mettre extérieur dans le ballon, c'est plus son pointu qui jouait ballon. Heureusement pour nous. Heureusement, la relance de la portière chinoise, Yu Yong, qui va relancer la longue relance. Ballon pas traversé l'immédiat, c'est un petit dégagement pas de bon, mais c'est un jeu chinois qui prend lui. Regardez, il doit prendre de nous tout le temps. Nous mourir, bien joué, ball qui perd. Oh, nous pas qu'il n'y a la marque de marquage en fait. Tentative! Total désorganisation au sein de l'équipe haïtienne. Défense n'est pas au rendez-vous, mais surtout mis en terrain qui quittait chinois. J'ai arrivé 3 victoires sous défense haïtienne. C'est ça, m'était dit tout au début. Ouais, ou pas capable de perdre marquage mis en terrain. Et bien, ou a perdu match en sens. Et puis, nous coupables dans regroupement lorsque chinois j'ai bien mal. Oui, c'est comme si nous dégaillons. Absolument, dégaillons. Mais nous commençons très bien. Makola a commencé absence et Tabita dans défense centrale là et puis Whitney sur côté gauche là. Faut le changement ça pas côté en. C'est une petite faiblesse nous gars là. Actuellement. C'est au niveau l'aile gauche là. C'est un vraiment. Allez-y. Boulevard. Néria Mondésir. La passe en retrait. Ballon pour Emile Charles qui joue en profondeur. Si c'est concernable, je vais mourir dans le film. Là. Attention. Néria Mondésir anticipé. Il n'y a pas faute. On remet sur qui. Attention, la passe en retrait. Daniel Darius qui balance lui bien joué soit ça. Est-ce que la petite arrivée chose haïtienne? Mais non, la couverture est assurée par la défenseur chinoise. C'est une sortie de but. Et puis ça fait 30 minutes, Jérôme. Depuis qu'on joue la demi-heure de jeu, oui, mon frère, du côté du stade de Marville de Saint-Malo. On a salué Peggy Jean, sans oublier bien sûr. Carly Pierre Charles et GPPC Gary Pierre Paul Charles, Euron Dégagement, Valérie Numa et Marie-Lucie Bonhomme, ils sont tous branchés pour vivre ce match sur la meilleure des chaînes. La référence, la TNH évidemment. Nous sommes également en duplex sur la Radio Nationale d'Haïti. La belle accélération de Rosianne. Jean 213. Bonne couverture côté chinois. Récupération des rouges. Intervention au milieu de terrain. Il y a faute, dit l'arbitre brésilienne. Madame Batista, ici en gros plan, qui fait du bon boulot jusqu'à présent. Ouais. On n'a rien à lui reprocher. Très bon arbitrage de l'arbitre venu du Brésil. Intervention solide, solide en Rosianne, la latérale droite de la sélection nationale de football. Nous avons tout pour nos capes qui branchent Mungonaïva, Monokaï, Mounhecha, Mirbaret, Routino, Rouanamet. Sans oublier nos amis de Caracol, ils m'ont dit qu'ils sont branchés. La possibilité de jouer en retrait, mon Jérémy. Également la passe en retrait sur la portière chinoise. Zhou Wanan, 201. Dégagement n'importe comment. Et là encore. De la précipitation. Son ballon gaspillé, ça. On va comprendre pas. Son ballon gaspillé. De la précipitation. Ballon en pas chaud. Pour t'as dit la boule où. C'est qu'il y a des ballons. Recommencer jouer là. Jouer sur Daniel Darius ou bien Emile Charles. Jouer là, jouer à gauche. Ou bien jouer en terrain sur Melchidel Dumoné. Mais écoutez, on bagaille là, il faut nous signaler. Melchidel Dumoné parle, rejoindre non. Et perd défense noire. Comme s'il vient chercher ballon et puis organiser jouer là. Justement, nous pas gagné organisatrice non de là. C'est surtout Doudjini qui gagne rôle ça jeudi à et pas j'aime connait des capacités oui, mais ça dépend de qui mission m'a collaboré sur terrain pour combien. Avec numéro 600 comme reporter d'eau, il t'a depuis présent. Mais même pas c'est nous qui a retourné quand même. La seule chose, Makola, à partir de banc, avant même mi-temps arrivé, il y a quelques réarrangements pour le peuple pour permettre de mieux occuper terrain. Surtout l'aile gauche qui fait un pile défaut. Attention, mais très bonne intervention cette fois-ci. Ah, bien sûr, le Carémus, hein. Rachel poursuivi par la numéro 9, il y a faute. Pas du tout. Oh!
Avec président n'a dit pas une faute là. Oui, jeune ballon. Oh là là, une possibilité. Non, mais non. Force là donne pas ça. Encore, pas ça trop. Précipitation. Précipitation, il y avait mieux à faire, beaucoup mieux. Et c'est la portière chinoise Wuhan qui capte le ballon facilement. Nous sommes toujours menés par cette équipe chinoise après un but inscrit par celle qui vient de quitter l'écran. Oui. En de la TNH, la dangereuse Yuji Zhao. Yuji Zhao, c'est son nom. C'est elle qui a marqué la première dans ce match. Et arbitrage, nous avons dit qu'il n'a pas été très bien. Mais là, il y avait faute en Sudoujni. Il y avait faute en Sudoujni. La couverture, c'est pas notre action ça. C'est l'autre action, c'était pas sous Karemus. Et sur Rachel Merci, il y avait photo sur Rachel Karemus, la numéro 14 de la sélection. Qu'a dit la numéro ou bien le numéro? Ouais. Puisqu'il s'agit de filles, c'est facultatif. Les deux se disent avec nous, la rebelle. Et bien sûr, Jérôme Pierre, qui est en train de souffrir, comme tous nos compatriotes. Là-bas, il y a toujours ce boulevard dans le couloir gauche de la sélection nationale. Là, le centre, heureusement, très mal négocié. Et c'est une sortie de but pour Kerli Théus. Mais ouais, avec qui facilité au dribble et latéral gauche. Très facilement, Jin Kun éliminé, écœuré Rachel Karemus. Malheureusement, heureusement pour nous, et que le centre a été très 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 mal négocié. Médiocre centre de Jin Kun. Défense. Je ne sais pas si c'est Djokola, Makola qui m'a dit, mesdames, ont essayé de monter constamment, mais là, elles ont quelques soucis. Ouais, ouais. On a monté, défense a monté pour essayer de mettre les joueurs chinois au jeu. Marron Joueza, la rebelle. Ils ont quitté Kelly en véritable libéro, qui n'a pas qu'une habitude. Là, il semble que Manuel Noé est tout pire dans le match. C'est pas aujourd'hui, à nous pour nous venir voter. Mes amis, nous, bon, je ne connais pas déjà qui va y résultat. Philosophie côté gain dès le départ, depuis l'éliminatoire, c'est le bouquin Béla. Le moment de proviser. Parce que ou pas changer, on ne change pas, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et formule, tout cas, faut faire résultat, ou pas changer. C'est jamais que je vous dis permettre de gagner. Évidemment. Oui, parce que nous avons philosophie, nous. Ah bon, c'est quand même terrible. Et ou pas capable de venir nos compétitions sur pied. Écoutez, la pauvre Shirley est en train de s'ennuyer. À la pointe de l'attaque de la sélection nationale privée de ballon, elle est Néridia Mondésir. C'est justement Shirley qui a été touchée par la numéro 11 chinoise Ji Kiwen, qui est très dangereux tout et qui est généralement occupé côté gauche, attaque chinoise, mais qui était retenu. Papier latéral gauche, c'est cette faute là mérite un carton jaune. Et est-ce que l'arbitre l'a tiré? Oui. Ouais. Donc, elle t'a entendu, Jérôme. C'est elle qui nous a permis de décrocher la qualification pour cette phase finale de Coupe du Monde. C'est le jeudi. Ah oui. Mm-hmm. Avec ce joli but inscrit. Contre le Canada. Après un excellent service de Néridia Mondésir. Caviar. Caviar. Passe lumineuse. Et ce but magnifique de Shirley. Pour l'instant, la rebelle. Alors, c'est Ji qui maintenant qui prend carton. Hein. Et attaque à Mino, vive de balle. Oui, non, mais tant oui. Rien, l'ennel ou de la melchipi libre. Doudjni pas gen vista, nel ou gen. Nel ou de li plus paraître un petit genre offensif li alé, li est démelchi nan jouet là. Moi, c'est Doudjni avec Melchi, li pas trop marché dans mi tant rien. Nel ou de Nicolas t'a fait affaire, nous plus là, nous t'a fait affaire. Nous manquons pour nous. Nous manquons pour nous. Alors, pour moi, je nous sophonie, Nelou Nicolas, ça me fait apprécier la Cali. Il était carrément montré que son 11 joueuses de couloir. Carrément. Donc, il était vraiment posé problème. Très bonne intervention de la numéro 18, Qian Nanyang, côté chinois. Néridia, surveillé de très près, à part Wang Lin Lin, 204. Alors, ce qu'on est en train, bien sûr, de se parler côté haïtien, il le faut. Il faut échanger. Il faut retrouver cette cohésion indispensable pour faire bonne figure dans cette Coupe du Monde. En des moins de 20 ans, nous sommes en France, à Saint-Malo, au stade de Marville, la TNH. Oui, nous besoin oui, quelques commanditaires. Vous êtes attendus car Haïti est dans cette Coupe du Monde. Avis aux intéressés, nous besoin sponsors, nous besoin. Commanditaire, à part la présidence, nous va gagner Krabla Bagra. Donc, nous avons l'autre sponsor, l'autre monde qui t'a remis fait promotion
produit aux entreprises. Attention, une possibilité pour la sélection nationale qui est en train de s'améliorer dans la construction du jeu. C'est une évidence. Très bonne intervention côté chinois. Je salue l'intervention de Lin Lin Wang. Tu peux y aller, mon frère. Dominique Steve, Dominique Lionel, Robert François, Jean-Marie Stanis. Tous nos amis de Tomazo. Et nous là du côté de Fondenay. Sap Marcel, nos amis des Caillas qui sont branchés. Et bien sûr, oh là là, stoppé in extremis par Lin Lin Wang, la numéro 4. Et il était au tapis, n'a pas de Cherly jeudi qui a été touché. Ça pas bon là, même si nous venons perdu Cherly. Oui. Regardez ce dribble magnifique de Roselyne Héroissin qui est parvenue à écœurer la défenseur chinoise avant de centrer en retrait pour Cherly. Malheureusement, cette dernière n'a pas réussi à mettre le ballon au fond de la cage en deux, l'équipe de Chine. Et pour le moment, Jérôme, nous sentons une légère amélioration dans le jeu de sélection nationale. Peut-être que c'est conscience, mesdames, qui a essayé de prendre là pour dire que la Chine n'est pas supérieure, non? Mm-hmm. Effectivement, dans le match-là, la Chine n'est pas supérieure, équipe haïtienne, non? Mais faut dire-t-il que nous mettons nous à point, nous essayons d'appliquer, nous essayons de faire ça, nous devons faire souterrain. Pas à entrer dans la logique la Chine qui a joué balle en profondeur. Maintenant, construit, parce que c'est point fort nous ça, construit, patient, nous manquons patient. Oui, nous manquons patient. Nous manquons patient. Nous, on a précipité. Et dès qu'on n'est pas patient, malé par le niveau. Et nous souffrons aussi dans le repli, le regroupement défensif. Yola bagaille. La Weber, là, nous toujours en difficulté en défense, que ce soit à droite, dans les temps, et à gauche. Yola bagaille qui supprime l'aliment Makola. Nous avons quatre attaquants qui sont Shelly jeudi, Nerilia Ozine et Micheline, tous les quatre alignés. Donc, ce n'est pas moun qui capote manger une pour l'autre. Il y a besoin de moun de l'honneur. L'autre qu'on pote, Melissa Dacius capote, tous les quatre attaquants, oui, tous les quatre sous terrain. Là, ça a monté Jean. À part de Nerilia avec Shelly, l'autre. Rosine et Micheline. Micheline, c'est bon Jean point lié en de l'équipe. Ça, son joueuse, qu'on utilise le temps pour Zlatan. Mais ça vient de faire que l'Italie a suivi. Voilà, yeah, évidemment. Et ça fait Covid, pas évident pour la transmission. Ça, chocolat, bam là. Hein. Marc, attention, oui, Marc. La passe à côté gauche, là, où il y a possibilité de jouer Diki vraiment. Avant que ce ne soit la numéro 21, la latérale gauche, Diji. Il y a une possibilité, mais bonne couverture cette fois-ci. Au sein d'une défense hein, qui, jusqu'ici, n'a pas été au rendez-vous. En ce match, voilà, c'était justement la latérale gauche chinoise. On a parlé de Jizi et la buteuse Yuji Zaro qui vient de quitter l'écran. Il y a faute de la télévision nationale d'Haïti. Isaïe Jean, tu es salué, mon frère. Sans oublier, bien sûr, Jean-Garry Adrien, le directeur de la section. Smith Griffon. Smith Griffon, Joël. Toute l'équipe est là. Et bien sûr, David et Christopher Stanley, également salué. Douli, tu es salué, mon grand. Yves Ner, ce sont mes deux garçons qui sont en train d'assister à cette rencontre. Et oui, ainsi que ma princesse Dunia. La passe côté gauche, elle a été contrée. Dégagement n'importe comment. La couverture, mesdames, messieurs. Mirto, tu es salué. Elsa également. Sans oublier, bien sûr. Attention, Yannick. Mais il y a faute. 42e minute de jeu du Kent Alcin. Nous gagnons problème. Nous avons un problème parce que nous avons bien démarré le match là, mais malheureusement nous avons un déficit dans ce score là. Et il y a mené sur nous par un goal à zéro, alors que c'est nous qui avons une initiative jouée là. Et je me dis tout au début de la retransmission, il faut nous suivre tout nous parce que souvent on a bien joué. Et dès que l'équipe adverse là fait 2-3 vues de descendre, eh bien nous avons un problème et c'est ça qui arrive. Et nous sommes capables même d'encaisser les bottes 2 ou 3 goals si ce n'est pas de maladresse, n'est-ce pas, ou si esophonie attaquante chinoise. Dit Makola, rendez-nous notre équipe. Si nous avons un talent, c'est vrai, mais il faut bien placer. Si vous avez bien placé, nous ne pouvons pas jouer. Ça n'a pas. Attention, dégagement de Yu Yang, la gardienne. Je tentais un coup de poker. Pas marché du tout. L'autre groupe m'a confié, vous dites,
est-ce que c'est le meilleur élément que vous devez accompagner mesdames là dans la phase finale? Je ne pense pas. Et prenez l'interrogation. Ça veut dire que c'est une question pertinente. C'est ça fait me dit comme si à le marché là l'acheter tout bagaille. L'autre. Et comment elle s'appelle? Fiorda. Préparé, épicé. Une question, peut-être une réponse, un élément de réponse. Mais c'est quoi c'est avant ça? À moins que vous ne participez. Fiorda, là, Fiorda, tout joue ça. Je ne crois pas. Et maintenant, deuxième mi-temps, que tu pourrais chercher. Nous allons regarder. Nous allons regarder ça, monsieur Valbano. Deuxième mi-temps, parce que là, par rapport à ça, m'a regardé là, l'équipe haïtienne n'est pas mauvaise. Et oui, le président de la République. Il est vrai que j'ai quelques paroles pour me corriger. Aux consultations. I pour mettre les points sur nous. Absolument. Et il y a pile I qui mérite vieux points ça. C'est important. Alors on le disait, c'est le citoyen Jean Risséan qui a été nommé nouveau Premier ministre par le président de la République au terme des consultations que le chef de l'État a eues avec le président des deux chambres. C'est un très bon choix, un choix judicieux, puisque Metséan a cette capacité de planer au-dessus des passions politiciennes et de créer, de trouver l'alchimie avec le chef de l'État ainsi que le prochain gouvernement pour graduellement porter réponse à problème qu'a rongé société ça. Et rassembleur, catalyseur, il y en a qui est très ouvert, un homme de dialogue et très sérieux. La passe en profondeur, déviation de la tête, attention panique au sein de la défense chinoise. Mais la défenseur chinoise arrive à Chen Kiaozu. Le numéro 5, Chen Kiaozu. C'est une touche pour l'équipe haïtienne. Rachel Karimus fait touche là. Attention, intervention de Léonie Amonesi. Il y a faute sur Rachel. La mission très facile de jouer. Passe de la capitaine haïtienne. Ballon de terrain. Allez à droite, Kounia, qui se passe à droite. Il fait passe là. Non, il n'est pas bon choix ça. Choix passe en profondeur, pas bon. C'était à l'argent pour te jouer là, n'est-ce pas, Sophonie? Nous pas besoin de passe. Il n'y aura malheureusement, José Roman, qu'une petite minute. Oui. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien. L'âme pas de mon Dieu. M'a partagé. M'a pas de mon Dieu penser nous mettre capable. Nous sommes très solidaires. Oui. La rebelle. Nous pas de mon Dieu penser nous minimiser capacité joueuse qui sous terrain. C'est même eux même qui était banoul, mais faut que on connaît pour qu'on mette mon dans en bonne place li pour café puis bon travail que li gagne pour faire. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place non mais voilà. Faut nous faire analyse en fonction de ça n'a pour rien. Ça n'a pour rien. Évidemment. Et bien sûr de à tout que nous disposer. Oui. Et pas voilà. Et là déjà, Makola qui un petit Jean Gaspier équipe là, alors comment ça quatre attaquants. Défenseur en pas bougé, deux changements qui est évident dans défenseur que ce soit central ou bien côté gauche. Faut venir avec deux monde. Pour pas rester un green changement qui sort pour le faire devant tout qui est tout à fait d'accord avec tellement d'accord avant dans quatre attaquants ça haut. Faut pas pour tape li jouette là. Qui est tape li jouette là? Et moi c'est m'a dit nous là, Chine pas supérieur. Moi c'est fait sur ça là, c'est nous qui a mettre tête nous en difficulté. Et voilà, c'est la mi-temps. Du côté de Saint-Malo, au stade de Marville, en re Saint-Malo plus précisément, Haïti 0, Chine 1, but de la numéro 10, Zaro, qui a donc profité d'une absence terrible de la défense haïtienne, de laxisme au sein de l'arrière-garde de l'équipe nationale d'Haïti pour ouvrir le bal. Makola doit effectuer d'autres réglages, chers amis téléspectateurs, il doit effectuer d'autres réglages pour permettre aux Haïtiennes de retrouver leur jeu, leur football, d'égaliser, pourquoi pas, de gagner ce match. C'est important, puisque Takula Rebelle Gauchan est demi-terrain et Fiorda, comme tu l'as dit, qui aurait dû être présente, mais qui ont été laissés sur le banc, pas le coach français de la sélection nationale. On va voir ce que les Grenadiers vont nous apporter en seconde mi-temps. Elles avaient bien sûr bien démarré le match en prenant leur temps pour construire, pour élaborer et pour progresser vers les buts de Zhou Wan, la portière chinoise. En seconde mi-temps, on espère de tout cœur qu'elles vont retrouver leur football, mais surtout que le sélectionneur et Makola fassent le nécessaire pour que et bien sûr les Haïtiennes puissent revenir sur la statistique. Et statistiques qui pas trop exagérées, mais surtout, on est capable de dire ça qui est plus important, c'est que chaque fois nous avons possibilité
Chaque fois que nous avons une possibilité de construire, d'aller de l'avant, eh bien, nous fait procéder par de longs ballons en profondeur qui viennent faire que nous perdus et ballons en jeu, Jérôme. Justement, parce que c'est pas ma fabrique, nous, c'est pas philosophie, nous. Et histoire, nous, dans le football, c'est question construite, c'est à fait au rapproche du football, nous, de football brésilien. C'est peut-être ça, tout, nous, aimer Brésil. Mm-hmm. C'est parce que nous avons un football qui rapproche, nous consacrer les bons footballs. Malheureusement, dans la moitié première mi-temps, nous avons joué long et joué long, pas fait affaire, nous. Alors, pour que ça me te parler de Copsi Saint-Ville et de Fioda Charles. Pour qui ça? Parce que moi-même, moi, je pense que ni Copsi ni Fioda Charles, ils ont mieux connu l'équipe ça. Ils ont mieux connu. Comme qu'est-ce qui a parlé de moi? Smith Guifon qui a parlé de moi. Joël Novice qui a parlé de moi. Je passé 15 ans avec eux. C'est ça. Mais au pas pour le monde qui fait venir la difficile pour parler de Jérôme. Ils connaissent point fort. Ils connaissent point faible, ils connaissent point fort. C'est ça. Donc, je pense que Fioda Charles, tu es mérité là, même comme assistant. Ils sont si bas. Alors, on a là un petit résumé des 45 premières minutes avec cette percée de Kirwen, 211 équipes chinoises qui a centré une tentative de la tête et voilà le but inscrit par Zaro, la numéro 10 de cette équipe de Chine, oubliée au second poteau, seul au monde, étrangement seul au second poteau. Elle était vraiment oubliée par Rachel Karemus. On va regarder le boulevard là. Regarde, l'accélération et puis retour en pas fait. Marquage là, laxiste. Et bien sûr, Zaron a profité de cette aubaine haïtienne pour inscrire. Coup franc, ça t'a permis de nous retourner dans le match football là. Malheureusement, l'IPAT est suffisamment gain puissance pour être capable de finir dans le filet. Et malheureusement aussi, haïtienne n'a pas aussi été jouer une rapidité nécessaire là pour être capable de venir pour ces ballons en encore. Hein. C'était pas mal tenté de la part de la numéro 18, Melchidael Dumornay. Mais t'as écouté, dis, regardez, il manquait puissance. Il manquait puissance, mais tout, nous manquait opportuniste, tout. Absolument. Parce que là, il y a cette vague bleue, cette vague caraïbéenne, cette vague haïtienne qui a déferlé sur Saint-Malo, nos amis de Paris, de Marseille, de Nice, là, de Lyon. Et là, ça aurait dû être un deuxième but. Oui. Mais heureusement pour nous, Jin Kuna, numéro 9, là, elle a tiré, regardez, pas gain qu'un monde, boulevard. La défense en boulevard, terrible, seul presque face à Théus. C'est quoi, c'est-il, elle mourut? Et à la mi-temps de ce match, c'est 0 pour les Grenadiers. Et 1, n'a pas le fait commentaire pendant que nous là, puisque n'a pas tant commandité à Ovin joindre nous, nous avons profité. Et Traoré Belle, qui ça pour coach en fait dans le moment ça? Il y a deux changements, je pense, qui sont capitales. Premier, c'est dans le mi-temps terrain. Si Makola Koué, dans la défense, il pensait qu'il y a un mystère qui a été retenu, il y a 15 minutes toujours pour contrôler le mi-temps terrain pour être sûr qu'il y a alimenté l'attaque là. Je n'ai pas eu de problème à Michaeline Saint-Félix ou Talent, mais il y a un retiré pour venir avec un monde dans le mi-temps terrain qui a plus. Voilà. Les Saoutegui doit faire jeudi avec Neril a passé devant, nous avons passé nos 4-4-2. Après en 15 minutes observation, ou t'es qu'à retirer et moun qui sont côté gauche là nous et qui pas un très bon placement, ou t'as metté Whitney Mathieu qui capable nous anti à l'an offensif côté zèle parce que nous pas gagne moun cap centré vraiment pour nous jouer un ballon en demi. Pas gagne ou t'es dit le Jérôme ou t'es dit tout est confirmé, pas gagne en organisatrice de jeu. Laisse à Melchi pour libérer souvenir avec Nel ou de demi-temps, Melchi qui a gagne ballon pour le faire salver. Donc là il pas gagne liberté parce que Doudjni pas aidé effectivement. Doudjni pas aidé offensivement, il pas aidé tout. Oui, il n'est pas aidé défensivement. Nous n'avons pas personne devant défense comme sentinelle. Nous, même moi, qui est l'Ilagé comme un véritable libéro, gardien libéro, nous parlons de nous dans le registre déjà. Donc, là, c'est ma coula qui a observé. Il est effectif, il est comme un fiord a commencé avec mesdames, il est comme un placement. Et il même tout dans le dernier sorti à Haïti, que ce soit face à États-Unis ou bien Canada, où il est un placement, mesdames. Nous sommes effectif là, mon là. Avant nous proposer Jérôme, n'a pas demandé aussi tout. Réglage ça yo poté dans l'équipe football là, nous pas gagné pour aucune équation là, non pour nous pas gérer. Non, écoutez, ça n'a pas gardé là, la Chine pas fait peur. Oui, nous seulement par faute de placement, nous pour un goal contre le coup du jeu. Moi je pense que si Makola et gagné vraiment ça, on connaissance de joueuses qui n'ont mélio, il est capable de tourner non seulement avec un discours, mais avec un autre réglage qui va permettre de nous garder la Chine en jeu pour faire plus consistance dans le terrain. Pour alimenter le
mesdames, Yonerilia et Shirley. L'aile nous est inexistante. Nous avons un problème l'aile. Que ce soit Karemus, que ce soit Rosiane. Rosiane. À droite. L'aile n'a pas fonctionné. Et l'autre, nous te dit, et Sophonie sur le comprimé là. Maintenant, dans le football moderne, il faut toujours bien s'annuler le courant de transmission. Qui est-ce qui a parlé vers Daniel Darius? Kavin prend ballon. Emile Chan. Kavin prend ballon. Et pour qui vous dit Daniel Dumonet, mes ballons? Daniel Dumonet, à partir de ballon recevoir, l'a fait couler à la fois pour louer soit chez les jeudis ou bien Néridia. Merci pour ces commentaires. On observe la pause. Voilà, retour au stade Marville en Saint-Malo où la sélection nationale des moins de 20 ans affronte l'équipe de Chine, les filles de Makola, les Grenadières qui ont bien géré les premières minutes de la rencontre avant justement de passer à côté, d'être totalement désorganisé, une désorganisation surtout au niveau défensif qui a fait l'affaire de cette équipe de Chine, qui a donc ouvert le bal par l'intermédiaire de la numéro 10, Yuji Zhao. Ça fait 1-0 pour la Chine. Et à pile commentaire fait sur plateau avec Jérôme Pierre, sans oublier Sophonie, côté que ont insisté sur la nécessité pour le coach Makola d'opérer quelques changements pour permettre que l'équipe l'a gagné et ont meilleure assise Sophonie. Évidemment, il faut que. Ah, il y a un changement là-bas. Oui, c'est Etienne. Bon, c'est plutôt Daniel Etienne qui va le monter. C'est un jeu. Milieu de terrain. Non, Dani va jouer en défense. Dani pas même évoluer en. Non. Bon, là, il va utiliser polyvalence Dani. Il retire Rosine Loisin. Dani va aider Karemus Pito dans faire. Et sur non blanc, bon côté. Bon côté. Gauche, changement ça a pas mal. Peut-être c'est pas lui nous t'attendre pour jouer d'ensemble parce que Dani l'a évolué en dehors des pays à 7. Groupe plan, il doit pas trop habitué avec même si on a 2 mois en France pour te prendre connaissance. Mais moun nous t'a plus temps dans mi-temps, c'était Nerloud Nicolas. Pas bien que on a mis pas nous te battre Guingamp 2-1. L'équipe haïtienne n'a te battre Guingamp 2-1. Yo t'a mené sous nous. Et yo t'a mené sous nous. Et nous réussissons à égaliser et puis gagner match là. C'est une très belle réaction. Bon match de l'équipe haïtienne. Et voilà, ça recommence. Commençons, Jérôme. C'est ça, attaque de la Chine sur le flanc droit avec Jin Kun. Oh là là, Mouri. Même gens. Match tout commencé, nous beaucoup même respirer. L'ambiance. Et là, c'est une catastrophe. Moral nous va l'affecter en pile. Oui. C'est une catastrophe. Là, nous prenons gros coup. Oui. Un coup de massue. Non, depuis le 7 d'Antimouille. Même gens, c'est même gens. C'est même gens. L'absence de marquage. Regardez, la vide. Bon, cette fois-ci, c'est latéral droit là avec défense centrale là qui va ouvrir. La vide. C'est une catastrophe. Chen Mengyu, Jérôme, qui inscrit deuxième goal pour l'équipe chinoise. C'est ça, Chen Mengyu, donc, qui permet à la Chine d'amener par 2-0. Mais vraiment, nous, nos situations en tête chargée là, nous, d'entre jeu, monsieur. Nous, presque noyés là. Oui, parce que psychologiquement, ça va le bon impact sur mesdames et mesdames. Oui, parce qu'on va carrément diminuer confiance. Bien sûr. On va l'attaquer moral carrément. Attention, la déviation avec Semel et Braté. Ballon pour la Chine. La passe en retrait pour le numéro 21, Zidji. Zidji qui est ballon. Hein. Zidji, il fait l'endan. Attention, trop d'espace à mon avis. Zidji, le centre du pied gauche. La misère. Dégagement de la défense haïtienne. Deuxième balle pour la Chine. Ça va passer nous là. Et nous ne pensons que nous ne pas monde. Attention, on passe un accident. Gardons boulevard à droite, monsieur. Numéro 9 là, et Jin Kun a été arrivé. Rachel Karemus pas arrivé contre cette là. Ballon pour la Chine toujours. Gardons misère pour nous. Si nous sommes mourir, non, fois ça, Kerliteus, mettez bouche de causer. Belle parade de Kerliteus.
chez monsieur. 2-0 contre l'équipe haïtienne. Attention, ballon balancé, des petites bousculades. Wim Tewel tout. Donc, Abby Central, elle a bien vu. Elle octroie le coup franc au profit des Chinoises. La passe en profondeur. Gardons boulevard, monsieur. Gardez espace que l'on défense. Le double conservation. La passe légèrement en retrait. Attention, marquage en fait. On nous mourit encore. Non, tire la pacadrie. On a respiré l'histoire. On respire encore. Même si la situation est très compliquée avec ce deuxième but inscrit par Chen Mengyu. Parle donc pour Kialiteus. Makola papa. Makola papa. Makola pas changé rien. Il n'a pas changé rien. Lui retirer le loisir. Il a passé. C'est de passivité. Ce sont les kits qui passifs. Nous sommes en appel devant Jamaïque. Là nous noyons. Nous sommes en souban. Oui. Et puis il mettait deux bras sur la tête comme si Dadou il n'a pas le vini. Je ne comprends pas le coaching quand même. Attention. Son désastre. Oui. Coaching ça. Il n'est pas contre. Pas jouer à Chine. Ou pidenter mon pas carré mettant rien. Et pour qu'il y ait trois attaques en devant. Il n'est pas contre Josio. Il n'est pas contre Néo. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Attention, ballon sauté en touche. D'où l'étape dit que mais son attitude de bossu. Oui. Mon garçon, son attitude de bossu, papy. En tout cas. Dickens. N'a pas nous attaque la zéro. Attitude de Quasimodo. Mais on espère. Oui. Bon, perdu espoir. Non. Non, mais là, pas guette encore. Il y a Michel Lee par un match. Mais pas fort, non. Et pas fort, tu. Pas guette mon bouba au ballon. Évidemment. Parce que si Neil y a tourné, pas yo grave. T'as vu nous chercher ballon. Qui est-ce qu'il y a devant? En tout cas, on espère une réaction. Oui. Jérôme Pierre. C'est ça. On touche qui prend le fait. Et dans le couloir droit. Et donc, touche prend le fait à part le numéro 13, Rosiane Jean, qui occupe le couloir droit de l'équipe haïtienne. Rosiane Jean Ferli. Le contrôle poitrine manqué. Ballon pour la défense chinoise. On dégage Maki mieux. C'est une équipe appliquée, l'équipe chinoise. Et oui. Oui, il y a une organisation. Il y a une organisation qui fait nous défaut. Oui. Jouer oui. Les nous défendons bloc. Attention, bon ballon pour nous là. Nous avons quoi jouer? Non, dégagement fait. Nous manquons présence nous. Oui, nous manquons opportuniste. Oui, comme si nous réservons trop. Faut mesdames, nous secouer. Oui, faut secouer. C'est nos balles. Nos compétitions de vini. Et oui, pour donc nous ne venons pas de balle. Nous ne venons pas. Faut nous jouer boule. Oui, attention, prochaine fête. Ballon. Oui, deuxième ballon là. Passe à contrer. Dégagement fait. Deuxième balle pour l'équipe haïtienne. Néria mon désir. Non, mon pas faire ça, mon désir. Pas faire ça. On va faire ça. Néria fait ça. On va faire ça. Néria mon désir. Ça, c'est du gâchis. On va faire ça. Attention, Néria. On peut pas nous faire ça. Non, mon cap gâteau là, Néria mon désir. Sinon, Dukens. Guet deux changements. Le cabati étiquette là. Guet deux changements qui capital. Pour moi. Caballero. Le crétin. Bon, c'est Michaeline Dadoué sorti pour faire Neloud Nicolas monter, laisse sa tabita ta ka tourner, aller des défenseurs et puis retirer Karemus Mouté à Rutni Mathieu. Bon. C'est ça seulement qu'a sauvé. Qu'a étanté. Je pense que vous avez un cabal avec directement. Oui. On texte seulement cabal. On texte pour Dadou texte pour monsieur et puis tout va être correct. Pour nous, ça n'a pas dit à la, c'est peut-être Fioda Charles, peut-être capable de dire monsieur. En tout cas, Fioda Sotmarie, Fioda était en Haïti. Fioda coach, qui est bien nous arrivé là. Il Sotmarie là. Pour récemment, vous avez même 15 jours. Oui, bien, il va n'a pas dit souhait. Là, il fait d'autres bagages. Carrément. Elle et à son mari, tout le bonheur du monde. Oui. Fioda Brigue, bah, c'est sérieux. Oui. Attention donc, 2-0 pour l'équipe chinoise. On a regardé jeu de demain. Ziji et Tegen Koufran. Ballon en défense là. Passe à gauche. Appel la fête. Oui, bonne passe sur le flanc gauche. Le centre. Ballon facile pour la portière de l'équipe chinoise. Je vais parler de Su Yong qui va relancer le jeu. Haïti 0, la Chine 2.
Haïti 0, la Chine 2. N'a pas rappelé que c'est Zhao Yuti qui te ouvre score dans la première mi-temps de la tête. C'était un coup de tête décroisé en tout début de seconde période. Pral gagne deuxième goal qui vient par Chen Mengui. Attention, ballon pour l'équipe haïtienne. La passe en profondeur, mais joueuse chinoise là, coupe et trajectoire ballon. Ça qui fait que pour le moment, on remet en retrait sur Zhou Xiong. Xiong balance li. Attention, quelle déviation. Ballon pour l'équipe haïtienne. Faut une pause sans nous. Attention, Nelia Mondésir en lutte. Finalement, ballon perdu. La Chine gagne. Haïti joigne encore. Nelia Mondésir pour rater passe lien. Elle n'est pas dans le coup. Nelia Mondésir. C'est pas Nelia Mondésir qu'on connaît. Très motivée, très déterminée. Aujourd'hui, elle est l'ombre de elle-même. Attention, ballon donc pour le sortir en touche. Est-ce qu'il y a faute ou non? La mise n'a rien dit. Alors, je suis au préalable qui a faute sur. Qui langue il n'y a pas la cabite là? Bon. Une brésilienne, une haïtienne, peut-être une en France qui a parlé français. Oui, elle a parlé français, mais le plus souvent habitué, on ne parle pas de bouchot. On va dégager en français, je ne sais pas. Oui, elle doit brésilienne là où elle parle petit français. Oui. Parce qu'il y a appris ça même. Parce qu'on ne voit pas habituer toute qualité nation. Là, je connais Nerilia Kapala, elle soit suivre dernière déclaration, mais où est même accent, le changer le temps, oui, c'est totalement dans le peu son accent. Elle s'exprime très bien, c'est bien. Yeah. Entre temps, son ballon sorti en touche, et touche pour l'équipe chinoise, déviation de la tête. La misère pour nous, messieurs, un dégagement fait, un danger pas totalement écarté. Pas main là. Levé. Pas main là. Attention, ballon récupéré par l'équipe haïtienne, on nous sortit tête nous, on nous sortit griffe nous, ballon dévié. Ça un dégagement, oui, un passe à gauche, et non, bon retour, ballon pour Nerilia, elle joue dans l'axe, et c'est bio là, non, c'est bio, il roule, on allait, il fixe là, il fait passe là pas bon, parce que il était li passe là, donc c'est prêt à l'heure, touche, et Melchidel Dimone, ou Sotigé, on va être passé dans le visage, dans la tête, et qui paraît sur le visage, Melchidel Dimone. Plus connu sous le nom de Conventina, touche l'en fait à part Daniel Etienne. On s'entraîne qui contrer, ballon dégagé. Nous faisons ça au vin faire aux chinois. Nous faisons ça au vin faire. Attention, il y a pour attaquer Zhang Lignon, gagne faute pour le carton. Intelligemment, chinois à la gécolatel, vous l'aimez. Quand on joue pour Dujmit Habitat Joseph. Les petits vrais. Les plus bons en défense centrale là que dans mi-temps terrain. Les plus bons en défense centrale. Très combative. La petite de Jimmy. Sans faute carton vraiment. Mm-hmm. Déjà 10 minutes dans cette rencontre carton jeune pour la numéro 6. Seulement 15 ans. De l'équipe haïtienne. Les gars même là avec. C'est magnifique. Voilà. Nous sommes en direct de Saint-Malo, du côté de la Bretagne, dans le département de la Bretagne. La Bretagne qui se trouve en France, dans le nord-est de la France, est connue donc pour ses huîtres, notamment dans la ville de Saint-Malo. Récupération chinoise, les Haïtiennes ont été les plus promptes à la récupération. Une possibilité avec notre numéro 6 très solide, en tout cas présentant, omniprésent au milieu de terrain. Bien aimé état d'esprit oui. De cette petite Dujny. Et alors, ce qu'on voit ici, Mikel qui vient de sortir de l'écran et qui, normalement, pendant qu'on y a bien induisé au sonon, donc présence vive est nécessaire en tant qu'attaquant. Mais encore faut-il que nous gagnions mon ami terrain qui a fondé, qui a alimenté, tentative d'accélération. Il n'y a pas eu de faute, estime l'arbitre brésilienne, Madame Baptiste. Théus à droite pour Rosiane. Là, c'était plutôt la numéro 5, Daniel. Darius, Dédé. Très bonne intervention. Côté chinois, la bagarre au milieu de terrain pour la récupération du ballon. Attention à cette percée chinoise. La buteuse, Zhao, qui est parvenue à donner un retrait. Aki Hachin Namengyo, l'auteur du deuxième but chinois. Côté gauche, on sait qu'il y a la numéro 21, Jizi. 221 de cette équipe de Chine. Bonne conservation, le ballon, le centre. Oh là là, l'erreur.
qui peut être fatal. Heureusement, heureusement. Ça pas possible. Comment Makola fait changement? La frappe de Lignan Zanga. Alors la frappe de Lignan Zanga passe nettement au-dessus de la cage. Tout à ton bail, Jérôme. Garde un mauvais placement. Nous parlons. C'est PIA net, nous n'avons pas là. Nous parlons. Heureusement, oui. Heureusement, Zang Lyon pas mis de ballon dans le filet là. Lyon mal négocié ballon. Attention, nouvelle opportunité. Théus. C'est Chinois qui a converti l'occasion. Le bon match à Zao qui avait la possibilité de s'offrir un doublé. Gagner trois mouns qui fait doublé dans la Coupe du Monde, ça déjà. Et oui, Kéoline. Il y a Kéroline. Il y a la mexicaine, Ovalle, oui, Jacqueline, la numéro 11, Jacqueline Ovalle Núñez, Ovalle, Ovalle 211, et puis il y a Rousseau, oui. L'anglaise Rousseau qui a également inscrit deux buts pour permettre à l'Angleterre de battre, il y a une française aussi, de battre la Corée du Nord, il y a une française Laurent, la Corée du Nord 3-1, il y a également Laurent qui s'est offert un doublé. Ça t'es qu'à bon bout, beaucoup de doublés. Si Neville avait qu'à fond doublé tout là, il t'a bon bout en pile. Très bonne intervention. Côté chinois, la touche avec ce ballon est mal négociée par Wang Lin Lin, le numéro 4 de cette équipe de Chine. Attention, les Chinoises qui ne sont pas les foudres de guerre, une équipe expérimentée, mais qui n'est pas tellement supérieure à l'équipe haïtienne. Non? Ils ont surtout exploité des faillances qui gagnent en défense noire. Alors, mine de rien, c'est vrai qu'on a fait passer ballon, nous mieux élaboré, mais nous pouvons jamais vraiment mettre le goalkeeper de l'équipe chinoise en grande difficulté. Pourquoi jamais gagner une action digne de ce nom? N'est-ce pas? Tabitha. Symphonie, l'accélération, elle peut faire mal. Tabitha. Réduction de l'écart. Mais non! Nélidia. Normalement, pas c'est un jeune plus fréquent. Vous dites toi là. Tentative d'accélération. Le ballon est toujours bleu. Comme la tulipe de Saint-Pierre. Il y a faute. Il y a un petit quelque chose là. Non, il y a faute. Il y a un petit quelque chose. Oh! Habit président n'a pas venu. Habit tout à la Batista, monsieur. Ah, madame Batista, ça va bon. Madame Etina Batista. Là, moi, mais accélération de Bouchny. Le gardien ou la gardienne n'a pas réussi. Belle accélération de Doujni Joseph. Sauf que manquait j'arrête pour le comme si vous aviez résistance pour le faire le retrait. Mais tellement t'as pourri, elle pitié. Est-ce que pas des contacts là sur du monde? En tout cas. Au moins même il y a une faute. Au moins même il y a une faute, mais ce n'est pas la vie de l'arbitre central. Carémus en retrait. Ou Kerli. Dégage très loin, là où se trouve la numéro 5 chinoise. On parle de Kyozu Chen. Sabo. Oui. Bonne récupération. On est un bon momentum pour la sélection nationale. Mirto, tu es salué. Dégage le dos, Fabienne. Et oui. Et Peter Bondé, qui est obligé de donner de la voix. Car il a compris que les Haïtiens. Et oui. Et le blondinet venu de Copenhague. Le blond belge. Accélération de la dangereuse Zao. C'est la buteuse, la première buteuse dans cette rencontre. La voici. Yuji Zao. Donc la rebelle. Équipe haïtienne a joué légèrement mieux. A souhaité que de continuer et surtout que mi-temps terrain joigne attaquant. Comment Makola fait changement? Attends, là, nous n'avons pas serré encore. Yo dessous, nous faut que nous essayions tout bagaille, nous n'avons pas gagné pour nous conserver. Regarde, fly. Yo manqué bon sous nous. Donc, nous pensons que faut changement vini. Manqué planté tête li. Oui, il faut changement vini, que ce soit en défense ou dans mi-temps terrain. Faut que Mikeline sorti. Yo ka quitté nous dans deux attaquants là. Neria Chelly qui a fait travail là. Mikeline et li crée sur nous. Pour nous devant, mais qui pas porté rien. Donc, Mikeline qui a sauté, Nelou Nicolas Taka monté, Taka Edeo. En tu vas faire ça. La détermination, oui. La possibilité de jouer. Encore Mikeline. Malheureusement, Mikeline qui n'est pas dans le coup. Oui, nous avons des gens sous terrain qui ont fait le même travail ça que Mikeline a fait. On va voir. Ce sont les Chinoises qui sont en attaque. Mesdames, Messieurs, l'accélération. Rachel en difficulté. Faute. Et qui bénéficie de la faute, heureusement. Heureusement pour nous. Nous saluons tout le monde Marouge, tout le monde en Safoulet, tout le monde Lascaobas. Nos amis de Trou du Nord, Michel Valzé.
de Limonade, de la Grande Rivière du Nord, nos amis de Solino, et oui, nos amis du Bel Air, de Cité Soleil, Benoît, Fiefé, vous êtes salués. Ils sont tous salués. Nos amis, bien sûr, des Gonaïves qui sont branchés. TNH. Nos amis de Jacmel. Long dégagement. Nos amis des LIP. De Lansavo. À la passe en retrait. Nos amis donc, de Terrier Rouge. Long dégagement. De Sainte-Suzanne. Grâce, bien sûr, à la magie de la télévision. Tous nos compatriotes d'ici et de l'étranger ont la possibilité de vivre. Ah, cette la performance des Grenadiers. Pour l'instant, ce n'est pas le grand jeu. C'est pas ça le football déployé par la sélection nationale lors des éliminatoires. Avec ce succès 1-0 contre le Canada, qui nous a ouvert les portes de cette Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. La faute à un coach. Nous voilà. Oh là là, contre le raté. Tête chargée. Maman puce. Yo, nous décabons la ligne. Nous décabons, nous décabons, chérie. La ligne est tellement courue. Et pas faute, Lila. Nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas. Ouais. Il fait geste là. Ballon échappé sous pied. Ballon roulé sous le pied. Au lieu qu'il tombe dans le plat du pied. Mais si football là est réussi, nous décabons. Voilà. Bon dégagement, la couverture de Daniel, Darius Dédé. Donc, quoi qu'il ne fait pas sortir, non, quoi qu'il ne fait pas sortir. Elle est dans le Zadji qui wène. Le centre, heureusement pour nous, qui est arrivé en retard. Je parlais, bien sûr, de Tchim et pardon, de la numéro 11, Ziki Wenma. Ballon pour les Haïtiennes, avec un côté gauche. Normalement, on doit retrouver un petit peu plus à gauche. La numéro 4, Emeline Manchal. C'est lui qui a joué un accent. On a bien sorti là. Daniel Darry, et pour ça, on peut jouer. Et pour ça, on peut jouer. C'est pour ça, on peut jouer. On a parlé de la nouvelle entrante. Non. Numéro 15, la nouvelle entrante. Il s'est passé à côté. Alors, numéro 15, c'est Daniel Etienne. Oui, la nouvelle entrante. Oui. Et pied d'appui, on va planter. Donc, mon petit flottement à pied d'appui. Défenseur central là, pour côté de Emeline Charles. Charles un petit peu plus à gauche. Daniel un petit peu plus à droite. Oui, c'est Daniel a vu arrière central droit. Mais bien sûr. Et maintenant, Daniel Etienne qui est rentré en cours de jeu. Et qui vient de sortir de l'écran justement. Elle était au marquage. Mais le costaud va pas. Côté gauche, la possibilité pour l'équipe de Chine avec Yanna qui a centré Kali. Bon bagage. Magnifique. Théus, très belle parade de la portière de la sélection nationale. Assez satisfait de qualité. Jusqu'à présent. Non, c'est pas faute. Nous avons deux goals. Et pourtant, il était blessé, mais il est récupéré à temps pour disputer cette rencontre. Il semble qu'il va y avoir quelque chose. Eh bien non, c'est la 65e minute dans le jeu, Jérôme. Malheureusement, c'est toujours 0 pour les Grenadières et 2 pour les Chinoises. Les minutes passent et le peuple haïtien repasse. Voilà, Rutni Mathurin. Très demandé. Date ça ou mandé ça, Sophonie. Et équipe là t'es besoin c'est capable de c'est véritable même ma collègue étiquette là sur lui oui il va pas le crétin oui il oui nous t'as dit ni c'est véritable ailier gauche nous oui ni tellement qu'on a bien passé en dans équipe ça coach Fioda qui t'a joué même place avec relé petit Fioda c'est tellement ni qu'on a bien passé donc il para ton match pour nous river côté nous river jodi a compétition a commencé jodi a pour Haïti oui et puis mais c'est voilà c'est Kounia Yobanoul ou ka vinn wè la nous regrette li bat commencer nous met suivre nous kwenn li prouvel déjà match qui recommencer Jérôme. Espérons que ce n'est pas trop tard pour nous Jérôme. Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. En tout cas nous guettons devant nous parce que match en jeune 66e minute de jeu. Attention, attaque à des Chinoises et croisement réalisé et par Emeline Charles. Attention et nous pressing côté équipe chinoise là. En dégagement et raté un peu, mais nous sauver ballon quand même. On joue dans l'euro médian, ballon récupéré par l'équipe haïtienne. On allait, mais Jidel Dumoné, la passe en profondeur. N'a pas de à mon désir. Non, c'est pas lui-même. Tacle en fait, pas de faute. Dommage, la dommage. Joueuse haïtienne est restée au sol. Attaque de la Chine. Ça va bon. Il va bon pour nous. Regardez pour elle, là, pour nous.
Ça va bon. Et par contre, sur ça, regardez. Oui, oui. Pour montrer qu'il passe son arbitrage penché. Arbitrage penché pour l'espèce de crétine. Arbitrage penché. Madame Batista. Oui, parce que il y a des fautes qui paraissent visibles, que il n'est pas sifflé. Allô, vieux Batista. J'ai essayé, mais Brésil. Mes amis, il ne faut pas faire nous ça. Quand même. Pour les femmes du Brésil. Attention, ballon balancé. Alors, Haïtien, mais Brésil, il va jouer. Non, nous pas demander pour habiter là, pour nous demander pour l'équilibrer quand même. Oui, ça, c'est ça. Oui, faut mais là, pas de En tout cas, son arbitrage est un peu penché. Elle est en difficulté. Oui, le, la nouvelle. Ousiane, oui, latéral droite là. Oui, c'est Ousiane Jean. Oh. Jean couché à là, son bagage est chargé. Il sentit qu'il y a un petit problème, semble-t-il. Et oui, il faut frapper. Il pense que c'est son problème respiratoire. Heureusement, c'est pas ça. Toujours 2-0, Jérôme, pour les Chinois. Et un score qui pas reflété le match. Qui pas reflété du tout, parce que dans le commencement match, nous, une équipe haïtienne patiente, qui t'a élaboré, lorsque nous craignons que n'y pas anti-gens paniqués, pour pas perdre du contrôle, et puis d'entrée de jeu, pour ne pas encaisser le goal. Et dès que nous prenons le goal, là, nous perdons dans le malheureusement. Et puis, malheureusement, tout coaching a affecté sérieusement la performance de la sélection nationale. Là, nous dit à plusieurs reprises, pour qui ça, trois attaquants, ils ont mis des équipes au rendez-vous qui manquent consistant. Et puis, défense en tout, qui a une difficulté dans le repli défensif. Il faut que tu organises dans le placement. Malheureusement, Ozyane. Organisatrice de jeu. Ozyane qui est a souffert, mais nous connaissons notre place, Ozyane, nous avons Milan Pierre qui n'a pas. Là, le bac a fait changement. Sauf s'il n'a pas continué. Il faut t'attendre. Parce que, moi, Ozyane, plus ou moins correct dans le match. Oui. Mais mon qui vraiment à Rachel Karimus qui supplé là très bon tout Milan Pierre qui souban il très bon mais besoin ça c'est juste qui capable dans mitade avec attaque là puisqu'il a mené 2-0 seulement. Voilà, c'est pas de ça de tes besoin Kounia, surtout Kounia nous t'es plus en vie Michaeline Soti pour porter un petit bagage en dans mitade terrain. Mon qui parle monter là tout pas mal, il parle un petit Jean Libéré Tabita et Gustave, c'est Gustave circonstanciel. Oui. Et c'est pas dommage, c'est pas changement ça que nous besoin dans moment ça. Santé voulait faire absolument. C'est mais obligé oui. Malgré vous parfois. Qu'on y a lancé ces trous pour laisser boucher comme si pas quitter espace dans zone carré quand c'est Angeline Gustave qui parle rentrer. Jérôme sou permet me saluer Guérina Faubert puisque mesdames yo a joué Guérina son ancienne joueuse moun ki la avant me rapporter me c'est une pi bon. Moi va prendre ça son connait. C'est une pi bon pi bon pi bon. Oui pi bon joueuse nous te gagne li nan Kaila là avec nous Guérina pense qui te joue de genou invitation bonheur. Pour al vivre ça avec mesdames yo. Voilà changement effectué dans le camp haïtien. La sortie de Rosiane Jean et Angeline Gustave entre en jeu avec le numéro 19. En tout temps, nous faisons des changements que nous pas, et c'est pas changement ça, yo. Nous avons besoin, mais nous faisons aussi des changements circonstanciels. Attention, ballon dégagé et passe instantanée, bien joué. Ballon sur le flanc gauche. Whitney. Passe de Whitney Mathurin. Attention, le contrôle de Robus. Bien joué, Benchidel Dimoné, qui jeune capitaine d'équipe blanc. Néria Mondésir, Néria Mondésir, l'aller à gauche sous et Karimus, Rachel de son prénom, il perd du ballon, hein, puisque il était raté contrôle dans tout. Et Tiasing et fait dégagement, contrôle de la poitrine de la première buteuse de cette rencontre. Le tacle bien joué là, de la part de Emily Charles. Le ballon ne sort pas et contrôle manqué. Oui, ballon tête de fauchis, ligne de touche là, 2 pour la Chine, 0 pour Haïti. Touche bref faite par tout et Tiasing qui va être capable d'effectuer. Entre temps, il y a une joueuse haïtienne qui est restée au sol. Waouh, ça va très mal. L'habitat, 12 nuits. Oui. Bah, il va bon pour nous maintenant là. Zavi nous a dit. Oui, et c'est la numéro 9, Kunjina qui quitte le terrain. La balle, bon changement. Peter Bondé, Ying Ying Yan, Dossard 16, qui s'apprête à faire son apparition. On a souhaité que Doujni soit capable de continuer. Car c'est un homme qui est impliqué, qui est investi dans le match. Là. Oui. En plus d'engagement. Malgré son jeune âge, vous dites qu'il a 15 ans seulement. 15 ans. C'est extraordinaire, impressionnant. C'est cramé bien. Elle a tellement couru, elle s'est tellement dépensée.
normalement on peut comprendre que souffrir de crampe. Même bien aimé abattage. Je vais regarder le nom de terrain là, il est encore plus bon en défense. C'est lui même qui t'a le côté et soutien pour nous avec senior yo, les capitaines nous t'es blessé dans ce ces senior là dans défense là. Oui, il est très polyvalent. Solide de génie toujours. Et bah là, c'est genre compliqué, mais faut que au ballette. Regardez, il mérite prend poids. Son visage. Il mérite prend poids. Très jeune. Bon, bon problème ici. Oui, c'est ça. Ou quand tu as eu. Bonne dame, oui, il a mangé. Oui, mais oui. Faut que au ballette, mon yo. Paul prend petit poids. Faut que au ballette. Oui, oui. Parce que physiquement, il fait le défaut. Il a besoin de protéines. Pile protéines. Bon, zone dans le pays qui va nous jouer en pile. Majorité de joueurs qui a sorti la peine, que ce soit table. Cité Soleil, toute région donc, pleine. Tout le monde. Il y a quand t'as des tâches en bas là. Yeah. Donc c'est ça, oui, le vivier, réservoir de footballeuses. Entre temps, ballon pour l'équipe haïtienne sur le ballon. Routmi Maturin entré en coup de jeu, mais gagné. Ah, elle revient, tant mieux. Oui. Heureusement. De Jimmy Tabita Joseph qui retournait sous le champ de jeu, plus bien que de mal. Bon tacle dans la défense chinoise là. Ballon dégagé, ballon vint joindre. Et de l'isophonie, de gagner le tour dans le passé. Parce que nous te souviens pile. Non, face à Elina Troyo. Pas mal, pas mal de tentative. Digne de ce nom. Oui, ça fait longtemps que je ne frappe pas ça qui cadre. Merci d'Aël Dumorné. Qui compte belle frappe de balle. Merci d'Aël Dumorné. Et c'est lui-même, il est convaincu dans tout. Hein. Attention, la Chine a sorti la couverture. Ça c'est là, moi c'est. Et par Emile Charles. Emile Charles, il gagne. Et on monte qui vient en soutien. Il est beaucoup plus balil. Et un peu exagéré, à mon avis. Vous sentez que le solide. Oui, mais il manque, il faut utiliser pour cette intelligence. Soit tout ça. Pour que oui, Emile Charles, pour que frappe le ballon en pied. Joueur chinois, ça pour que je touche là. Au préalable. Et monsieur le Power et Chélie, je dis même dans le match à monsieur. C'est pas attaque en haut, pas ici. Oui. Faut t'as tourné de temps en temps, t'as un ballon. Pas de monde qui a fait le ballon. Pas de monde qui a fait ça. Et donc, ballon perdu. C'est dommage. Puisque Daniel Darus ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon. Makola. Pas prenant monsieur moi-même. Je dis ça clair. Makola, attention, c'est un mauvais moment dans le match Jamaïque contre Haïti. Dans ce stade-là. Non, pas dans le match. Et là, tu es salué. L'un prend un goal bien bon dans le match. La gauchère. Je m'en sers. Je m'en sers. Elle fait tout match en abdominé. Elle fait tout match en abdominé. Ancienne gloire du football féminin. Je fais un match. Je m'en sers. Je m'en match à 1-0. C'était un goal cop. Réalisatrice à la TNH. Oui. Et attention, la première buteuse de cette rencontre qui est 4 sur le flanc gauche. Le centre, pour aller bien Routmi Maturin qui dégage Kanli. Convention, elle soit bien arrivée. Oui, mais le père Julie, il y a une présence, une joueuse chinoise qui était récupéré le ballon. C'est à présent Zidji et Zidji Gengel toujours. L'Ifel en retrait. Attention, et balle, il y a une hésitation. Ballon Convention, et l'équipe haïtienne tape attaqué, mais parce pas de bon, puisque c'est l'équipe chinoise là qui gagne. Elle joue en profondeur, la joueuse chinoise, mais très bonne défense réalisée par Routmi Maturin. Équipe haïtienne a sorti Kounia en allant, Néria Mondesi, Libani à gauche, oui, moi-même, et action ça, moi-même, face de jeu ça, la passe dans l'axe, mais pas ça manque de force. Ça, c'est intéressant. Alors, ce que nous venons d'atteindre, nous avons retenu la 72e minute de jeu, Jérôme, moi-même, face de jeu ça. Mendio, numéro 8 ans, c'est l'auteur du deuxième but, côté chinois, d'accélération. Et oui, de la nouvelle entrée en 219 Sahara, qui fait entrer dans le match football. On a parlé du Chenna, le contrôle, pour centrer, tête défensif. De qui c'était bien sûr de la part de Emeline Charles, la numéro 4. Peter Bondé qui applaudit, la réaction de ses filles. Alors ce qu'on voit ici, la très remuante latérale gauche, Dizzy et Peter Bondé, le Danois, qui dirige cette équipe de Chine. Les Haïtiennes qui ont la possibilité de revenir. Il y a une joueuse chinoise qui s'est... Écoutez, elle s'est écroulée toute seule. C'est l'air après, Zhao.
la première buteuse dans cette rencontre. Et nous pensons que Abby Président ne devait plus attention. Ah, magnifique! Le pénalty transformé du plat du pied droit. Enfin, Nevilia Modesi, notre capitaine. Choisi Paul. La capitaine de l'équipe nationale féminine de moins de 20 ans. Il n'est pas là, souriant. Et oui, Emmanuel Sanon avait marqué deux buts en Coupe du Monde en 1974 contre l'Argentine et contre l'Italie. De Tino Zoffa. Bon, attention, nous savons que les anciennes gloires. Alors que, bien sûr, une nouvelle possibilité pour les Néliamondes. Cette fois-ci, elle a la possibilité de donner à droite. Elle préfère conserver le dribble qui réussit de la part de l'attaquante de Montpellier, le centre en coup de tête de la part d'une défenseur chinoise. C'est intéressant, le centre. Et la chinoise qui sont en difficulté. Chauffer. Nous avons comme l'impression qu'elles vont finir par mettre le ballon au fond. Et oui, nous bien pressions ça. Nous avons cette sensation. On sent le but. Tenace. On sentait le but. On sent venir le but. Le deuxième, bien sûr. Celui de l'égalisation. Le dégagement. Intervention de qui ? De Douchny, omniprésente dans notre jeu. Et c'est une passe à côté chinoise. À gauche, on vient d'Ao. À moins que ce ne soit. La tour 121. Oui, que nous m'avons la boutique pour Nadia la soula. Eh oui. Et bon, les gens, les gens qui demandent, ils sortent. Et ici, je sais que nous avons été ici là, pour match à tout le monde, pour que tu puisses pas ici l'avantage, pour que tu puisses pas. Non. Monsieur, ce fond changement là, l'homme sur le retour de nos conseillers, parce que le plat va vous faire des oui, parce que je veux que Haïti a construit de la Chine là, capable de faire des et oui, voilà, Whitney, la numéro 2, qui a donné un retrait depuis l'entrée, a senti jouer d'équipe haïtienne a changé. Donc ça a été un bon coaching, hein. Il faut le dire, même si au milieu de terrain, ça peut encore s'améliorer. Comme dans le jeu. Attention, Loubo. Oh là là! Oh numéro 6 là! Magnifique de la part de Nevilia Modesi! Mais les nerfs sont dans la pièce! De Diazo! Diazo Tchen! Oui! Quel coup de main! Quel coup de main! Magnifique de la part de Nevilia! Quel coup de main! Mieux content que jamais! On retrouve la vraie de Jésus! Nevilia! Mon désir! N'est-ce pas? Sophonie. Mais il y a qui libéré. Oui. Libéré. Alors, je prends confiance. Ballonté mon petit casque. C'est tout de rien. Pivot. Oui, sans pivot. Mais nous voilà. Ça rappelle moi action Jésus-Christ Bernard qui a été fait pour ça. Attention, ce n'est pas d'Ougini. La passe au milieu de terrain. Les Chinois vont essayer de souffler. Mais la touche est en notre faveur. Tout à parler de coup. Mata. Il n'est pas action pour ça. Angeline Gustave. Ouais. Peut-être même si Mata a venu. C'est la numéro 19. Numéro 19 qui est entré, vous pensez que entrer là avec l'entrée de Daniel Etienne, oui. Une portée consistance pour ta Mandéa, qui n'a mis sa terre, qui ont déjà libéré pour Ventina. Voilà, c'est sous l'hypénalité à faire. Et 98 minutes dans le jeu, Jérôme. Oui, il nous reste 2 minutes à jouer, madame, messieurs, avant le coup de sifflet final de l'arbitre brésilienne et la palette de Batista. Attention, petite passe sur le flanc gauche, intervention et chinoise, c'est une balle qui s'en touche. On joue les dernières minutes de cette rencontre. Que pour la Chine, un pour Haïti. On va t'acquitter. Non, c'est Coaching tête chargée. Attention, ballon pour l'équipe haïtienne. Elle peut centrer, elle ne parvient pas. Et est-ce qu'il y a faute? Non. Ballon, il dégage. Il monte droit contre Baleine. Un ballon qui dégage encore. Regardez, c'est pour Whitney, monsieur. En main plus. Ballon de micro-terrain pour Daniel Darius qui balance le couloir gauche. Contrôle poitrine. Intervention, ballon pour l'équipe haïtienne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a qui est resté au sol. Malheureusement pour nous, parce que ça va casser le rythme du monde. Oui. Carrément cassé et là, nous n'avons pas bon moment dans notre dynamique là. Très bonne dynamique. Ouais. Coordonnateur Radio National là, qui a surpris Ed Lozama, qui a pris une deuxième goal là. Ed, viens avec pas nous. Nous allons. Moi, c'est Otigé là pour lui là. Ah oui. Ce sont haïtiens dans l'âme.
et on sentit que qui fervent après mais j'en ai dit là aussi si que n'est pas capable de faire de la deuxième match là. Mais des éléments que vous supposez aligner oui pas jouer avec trois attaquants oui soit avec Michel est 9 fait défaut en 4-2 jouer 4-4-2 qui t'es cher lire normal il y a devant normalement normal. Allez. Et pour finir, il repense mettre Corentina dans le dos. Oui. Et pour finir. C'est ça. Et puis mettre ton monde qui a fait job ça là. Capable de récupérer le ballon, ratissé. Mais écoutez, Tabitha capable. Oui, Tabitha capable. Oui, oui. Et me saisit parce que m'a regardé 15 ans seulement. Physique. Et résister. Ça c'est normal. Voilà. Oui, ils sont en France, on dit ça. Oui, ça il faut le dire. Surtout dans la banlieue de Saint-Denis, nord-est de Paris. Maman rencontre un pile compatriote là. Et son va être différent, monsieur. Les Haïtiens dehors, tout le monde a vu peut-être ensemble. La ville à Caille, nous mangeons les têtes chères. On va au Bandaga. Vivre là parce que j'en ai dans le pays, nous. Content, il y a vivre ensemble. Et puis ici, tu es vite, on m'a débouqué. Le riz de l'autre bois là, tout le monde doit pouvoir manger. Tout le monde qui tient à ce qu'il fait un cadeau au téléphone. On est capable de faire taxi. Monsieur Fosso, vous m'avez un téléphone. Ça, c'est un cadeau de mon ça qui est belle là. Je tiens à ce qu'il fait un téléphone. Les connons qui achètent. Justement, c'est ça qui est belle. Mais il dit que bon, finalement, je m'oblige pour le téléphone. Et puis, il m'achète un cadeau pour monsieur. Ouais. Pour me retourner là. On joue les dernières secondes. Passe de Emeline Charles, déviation, Nerilia Mondésir, en déséquilibre, elle peut frapper, elle conserve le ballon, Nerilia Mondésir, malgré marquage de trois joueuses, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, allô, là, c'est maintenant ou jamais, d'où on die. Monsieur, vous pouvez le ouais, ouais, parce que, vous avez des petits gens, absent 10 minutes, c'est vous qui avez fait le job là. Ah non, tu peux en grignoter. Un bon coup franc. Donc à bon là. Pourquoi ça? Comme passer de il y a deux appels normalement. Pour Ventina qui a frappé, il pense que très souvent c'est de frapper au coup franc. Pour Ventina, oui. Gauche. Et son droitier. Mais très souvent c'est de frapper au coup franc. Parce qu'il fait bien. Belle frappe de balle. Et mais aussi pour ce qu'il fait. Il manque dans la deuxième phase à ce coup franc déjà. Et pour Ventina. Melchi. Oui. Melchi d'elle. C'est... Oui, c'est son surnom pour ah, c'est ça. Attention, ça peut faire mal. Elle a besoin, oui, de cette équipe là-bas. Chinoise. Et Charlie, je dis très concentré. De sa couverture de ballon. Des jeunes concentrations, ça n'a même Cristiano Ronaldo dans le match Espagne Portugal. Et oui, et au changer que c'est l'équipe égalisée. Oui, à 3-3. Et bien sûr. On allait. Pour le champion d'Europe en titre. Est-ce que n'a tout joué ni là Haïti. Oui. Jeudi. Pas mal tiré du tout, oui. Mais il était de soulever. C'est soumis. Alors, il contourne les murs, mais c'est soumis. Intérieur, intérieur n'a pas entré parce que moi, coup, ça va faire en fait 2007. Oui, pour la perte courbe. Ça n'y est le bon amusé. Absolument. Bon, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Il nous reste au moins 4 minutes encore à jouer, madame, monsieur, dans cette rencontre entre la Chine et l'équipe haïtienne. Nous sentons que coach l'équipe chinoise est anti-genre inquiété. Parce que il n'y a pas de comprendre que si tu as la qualité réveille ça. Absolument. On a fin de match là. Oui, oui. Attention, ballon balancé. Mais il faut que nous suivions tête nous tout pour ne pas prendre 3 à 1. Pas mal. Quittez-le. Oh, nous mêlons là. Nous mourons encore. Non, à côté. Heureusement, Kerli sauve nous. Qui joue ça, monsieur Pérez, ça craque le contrôle dans son Kerli, magnifique prestation de Kerli. Oui. La montée que senti que lui sûr de lui-même. La montée que c'est lui-même qui fait titulaire. Ah oui, bah, il y a la Chine qui a mangé un petit lait, non, mais la Chine. Bon, on est depuis un temps additionnel. La première buteuse laisse le terrain. Yuti Zhao. C'est elle qui a manqué le premier but de la rencontre. Et contre le coup du jeu, parce que c'était l'équipe haïtienne qui a gagné l'initiative jeu de l'an.
Attention à ce corner pour les Chinoises. De la droite vers la gauche, on a à l'écran dans le temps additionnel. L'autre match côté que Espa a mené 3 à 1 sous Paradis. Oui. L'autre match a capté Konya. Dans le même moment. Dans le même moment. Attention. Oui, il nous reste 3 minutes dans le temps additionnel. Allez là. Attaque. Dégagement final. Vous dites qu'on va pas jouer un petit bagage là. Kabat Bouchnou. Regardez vous. Mais qui était gagné dernière minute pour nous. Ballon d'un coup de mi, Mathurin, il fait touche là, beau contrôle, le Conventina, faute en but central là. Ça c'est encore ton jaune. Ça c'est bon quand on jaune. Toute famille maturée qui a regardé là. On subit un vieux arbitre. Oui, toi, madame Mathis. Pourtant, tout au début, il était plus ou moins. Madame Mathis, on va la faire nous ça. Nous, haïtiens, mais Brésil, on va vous dire l'ensophonie. Elle se donne favoriser, non? Oui, équilibre. Attention! Bon! Non, ballon capté facilement. Malheureusement, non. C'est donc la dernière minute. Oui. Dans cette rencontre. Malheureusement pour Haïti, le réveil a été un petit peu tardif, même si Habitat a proposé qu'il fait un match là. Je rappelle que dans le même temps, le Paraguay est mené 3 à 1 par l'Espagne. Oui, si que coaching n'a été mieux géré. À point. Depuis notre commencement, I'm sûr. Il y a une possibilité même de me battre pour ça. Claire. Et pour me donner raison, il y a peut-être contre le visage. Oui, par coach. Sélectionneur équipe haïtienne, oui, bien sûr. En parlant du lot, donc on a vu sa tête. Pas sa queue, mais sa tête. Même si on peut. Et d'abord, si on bien aimé tout comportement dans la deuxième mi-temps, comportement défenseur haïtien, que ce soit Emeline. Qui part dégagé. Oui, qui part dégagé. Il y a plus soudé, il y a plus solidarité, une meilleure présence. Et puis couloir. Gauchement. La ferme carrément. Oui, j'ai les situations pour nous. Moi, c'est que dans le deuxième match. C'est fini, c'est fini. Voilà, on a perdu. Malheureusement. Et Abitlan, on va féliciter du tout. C'est dans la douleur que la Chine s'est imposée de 1. On aurait pu faire, mais vraiment beaucoup mieux. N'était-ce le coaching assez approximatif, assez moyen, pour ne pas dire désastreux, du coach Makola. Les Haïtiens qui avaient bien démarré la partie et ont vu leur jeu s'effriter au fil des minutes. Et à cause de deux erreurs défensives, on a encaissé le but. La première, le premier, oui, dit par Zhao, la numéro 10. Et puis deuxième, non, par la numéro 8 chinoise Meng Yu, dos à 8 ans, qui est ce deuxième goal là. Il y a eu une très belle réaction de l'équipe haïtienne, notamment après les entrées et successives de Daniel Etienne et de Angeline Gustave, sans oublier Whitney dans le couloir gauche. Et c'est à ce moment de la rencontre qu'on allait retrouver le vrai visage de la sélection nationale, le vrai visage de cette attaquante magnifique, Nerilia Modésir, qui a donc inscrit l'unique but des Grenadiers sur pénalty. Un pénalty remarquablement transformé. Elle aurait pu égaliser pour Haïti. Malheureusement, sa tentative de lob a été bien gérée par la défense chinoise. Très bon abattage au milieu de terrain de cette, on dit de 7 milieux de terrain aussi. On a parlé de Doujni Joseph, la numéro 6. Et avec l'un des visages de filles, capable de jongler avec elle. Doujni qui a fait un match plein. Un travail d'abattage colossal dans l'entrejeu de l'équipe haïtienne. Malheureusement, regardez-vous, 55. Oui. 55, bon, match équilibré. Net amélioration. Alors, c'était 57, 43 dans la première mi-temps. Oui. Donc, cela illustre parfaitement eh bien, la métamorphose, la nette amélioration du jeu au sein de l'équipe haïtienne. La faute, malheureusement, au coach Kola. Sinon, on aurait pu éviter la défaite sophonique. Tout à fait, nous saluer performance sélection haïtienne. Hein? Nous espérons vraiment dans le prochain match là. Ma cola ou vidéo, li ou comment pour. Bon moment, soit pas des comportements, des plans ou sentir satisfait. Tout satisfait. Oui, nous pas ridicule. Nous pas ridicule. Égal. Nous pas ridicule. Et nous t'es qu'à bien match. Si nous souhaitons mettre l'équipe qu'il faut d'entrée de jeu.
Sophonie. Où est tout Karimus Leland dans il dégage le volume. Donc vous étiez très près au moins d'un Dantaï. Qu'est-ce que vous allez dire à votre équipe après ce match pour les préparer pour le prochain? Et d'autre côté, les spectateurs, l'ambiance ici était formidable, surtout à cause de vos spectateurs, disons. Est-ce que ça va aider aussi les joueuses à se préparer pour le prochain match? Déjà, je voudrais parler effectivement par rapport à ce public formidable qui nous a soutenus tout le match, les remercier parce que c'est pas évident pour eux de venir ici et ils ont joué leur rôle de supporter à fond. Maintenant, ce match, bien sûr, c'est une déception parce que on a dominé l'ensemble du match. On s'est malheureusement exposé au contre de cette équipe chinoise et je crois qu'on était pas de problème. Ce deuxième but nous a fait très mal. Merci beaucoup. Merci. Vous mettez monter le volume, non? Merci. Donc, non, il fallait éviter le feedback, bande de bossus. Alors, Peter Bondé. Il y a des gens qui distrait la vérité. Et qui sont de l'autre côté de la vitre. Alors, on a dit que sélection haïtienne, là, tu es capable d'éviter les fêtes là. Malheureusement, Sophonie, coaching, là, tu es très approximatif. Makola qui fait même erreur avec coach argentin, ou vine ses équipes en dedans en compétition. Pendant ce temps, chance li te gagne que Sampaoli pas de gagne, li kon joue Zlia. Ni maturé, li fait preuve li déjà. Pour qui ça essaie ça aujourd'hui a? Nous ouais, deux goals nous prend notamment côté gauche nous était très coupable sur côté gauche là. Moi pense c'est une leçon li prend face à Nigeria et que Tirlan li vérifier ça. Nous pas obligé pour aller recommencer faire changement forcé, nous pas bien monde qui frapper pour jouer la vie pide contrôler dans mais nous. Moi pense aujourd'hui hein, équipe qui bat nous deuxième mi-temps, li plus ou moins qu'a fait face à n'importe quelle équipe. Il y a espoir. Pour sélection nationale, oui, là, ouais. Malgré tout. Qualité jouette nous en pas mal. Et mesdames, yo très appliqué. Deux changements qui fait dans le mi-temps terrain. Libérer Coventina, Nerilia vine plus à l'aise, nous vine plus dangereuse, la Chine paniqué. Match la fini où est sélectionné Chine n'a pas tapé de victoire. Parce qu'elle pensait n'était qu'à faire mieux. Donc ça passe, son match football, c'est trois résultats possibles. Malheureusement, défaite là, il vini dans le camp à nous. Donc, m'espérer que prochain match là, Haïti va le plus bien appliqué et ma cola pas grand on va laisser résumé. Oui, tu vas y aller tout à l'heure Jérôme, mais tu termines. Oui, m'espérer que ma cola pas grand il va laisser inventer parce Jérôme, que victoire inévitable de ce match. Oui, résumé match là et c'est on centre qui va le bailler premier goal match là qui marqué par Zao Yuti. Vraiment qui était libre pourquoi qui gagne temps pour le faire coup de Rachel et croiser a été aux abonnés absents ouais et puis là on te manque une égalisation mais nous t'es vraiment et dit que coup français il était certes qu'une précision là dans lui mais il te manque force dans le ballon ça qui cause que le goalkeeper équipe chinoise a été repoussé alors là regardez mes garçons mais on a l'autre occasion qui était capable de tuer nous dans le match là heureusement eh bien Jin Kun pas cadré frappant, ballon passé dans un tout petit filet. Nous pourrons subir une autre attaque là, c'est Jin Kun qui fait un bel geste technique là, le centré et c'est le deuxième goal là. Deuxième goal là, là encore. C'est très tôt. Elle est libre de tout marquage. Elle est libre, l'arrivée. Seul au monde. Chen Mengui qui pourrait mettre le ballon avec le plat du pied droit. Ça fait 2-0. Nous continuons à faire. Deuxième goal, ça fait nous mal en pile. On fly, nous capables de soulever le thème ça, puisque joueuse haïtienne a raté. Dégagement, intervention là, mais heureusement pour nous, Zhang Lignan, mais ballon tête quand là. Et là, le pénalty. Il y a faute, pied levé dans le visage. Et Melchidel Tumone. Également pour la numéro 2. Et puis. De cette équipe en la chinoise. Capitaine de la sélection des moins de 20 ans, Néria Mondésir, t'es transformé pénalty ça. Et de fort belle manière. Là, après le action déclare. Faute. Et vraiment. Là, c'est bon là, c'est ça net. Pour que ça la nature. Deux gros matchs face à l'Allemagne et au Niger. Pour que ça la nature.
Pour ça, la nature va quitter le ballon. Ça. Malheureusement pour nous, et que Ariel, ça n'a pas de Wang, Lin, pas dégager les numéro 4 là. Oui. Tirer les Wang, Lin. Dosa 4 de l'Empire du Milieu. Voilà, nous perdu le premier rencontre de l'équipe haïtienne, mais première défaite également. Mais il y a des motifs d'espoir pour la suite de la compétition. La prestation n'est pas mauvaise. Pas du tout. Et à la fin de la rencontre, on a vu donc il y avait un bel équilibre entre les deux formations. 50% de possession de balle et des deux côtés. N'a pas campé là, mais on nous rappelait le score. Match qui était joué matin, hein, avec cette victoire de l'Allemagne 1-0 contre le Nigeria. Donc ce sont les Chinoises et les Allemandes qui occupent la tête du groupe D. Haïti, troisième pour le moment. Et l'équipe du Nigeria est quatrième. Oui, pour qu'ils aient été troisième parce qu'ils nous marquaient un green goal, qui est important, qui est toujours bon à prendre. Oui. Donc, même parce qu'il y a de l'espoir pour la suite de la compétition. L'Allemagne a 3 points de goal différence plus 1. Prochain match de sélection nationale lancé jeudi. Bien sûr, contre le Nigeria. Et puis, dernière rencontre lundi prochain face à l'ogre allemand. Lundi à 13. Et oui, à 13, bien sûr, août 2010. Qui sait aussi pratiquer un très bon football. C'est une autre équipe qui a bien pour venir pour présenter nos matchs football là. Donc on va prendre congé de vous. On va remercier traditionnellement les réalisatrices Jasmine Losmé, Guérina Faubert, il y a Nadia qui est de l'autre côté, sans oublier bien sûr Dukens Alcin, Rodney Michel et puis nos amis qui se trouvent du côté du satellite et l'équipe sportive avec Jean-Gary, Adrien Smith, Griffon, Joël Norveus et tout le reste. Ah, bien sûr. Et Steven Dieudonné. Et Steven Dominique. Et Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Et Zahijan. Une équipe solide. Franck Saint-Ville. Qui fait la différence. Un dernier mot. Nous sommes la différence. La rebelle. Entre Delma 33 et Delma 65, nous c'est national. Nous sommes pour vivre une belle rencontre de l'équipe nationale là. Nous espérons que vous vraiment prochain match là. Ou un petit peu déçu. Mais ou toujours bien espoir que nous capables. Relancez-nous dans la course à la qualification. Oui, moi regrette parce que nous avons des capacités pour nous faire mieux. Ça passe aussi beaucoup de joueurs. Jérôme, un dernier mot. Oui, en fait, l'équipe est supérieure à nous. Peut-être que le réglage n'est pas fait à temps. Il est fait en retard, qui fait que nous-mêmes, lorsque nous venons réveiller nous dans le match véritablement, eh bien, l'un a quitté nous. Et prestation est très acceptable. On espère que dans la prochaine sortie nous contre le Nigeria, on est capable de faire mieux. Il faudra de toute façon éviter la défaite face au Nigeria. Parce que l'autre défaite, c'est pas carrément élimination dans la Coupe du Monde. Donc, on espère que la bat Nigeria pour merci, en vie. Merci à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Je salue encore mes garçons qui se sont bien amusés. Douli et Yvener, sans oublier ma princesse Dunia, qui était en train d'assister à cette rencontre. Allez, bon, l'autre équipe a fini à 1h30 pour la rencontre entre les États-Unis et le Japon.